cette émission-ci sur ce point-là. Du coup, comment ça va se passer? On va tranquillement se raconter des histoires, des anecdotes qu'on a vécues, mais pas que. C'est-à-dire que pour cette première émission, il n'y aura pas d'invités, il n'y aura pas de viewers qui pourront nous rejoindre. Dans le futur, ça sera le cas. Mais aujourd'hui, on va parler un peu d'actualité et aussi raconter des histoires. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'enfermer dans une radio libre où ça serait seulement des histoires qu'on viendrait nous raconter. Puisque si personne n'a d'histoire, eh ben, il n'y a pas d'émission. Et là, tout de suite, c'est un peu problématique. C'est pour ça, gérant du bistrot, exactement. C'est pour ça qu'on va traiter l'actualité, mais surtout débattre autour, donner nos avis, parce qu'on a souvent des discussions très intéressantes, et n'hésitez pas aussi, lorsqu'on en parlera, à donner vos avis dans les chats. On a plusieurs sujets ce soir qui devraient vous plaire, c'est des sujets d'actualité qui ont eu lieu cette semaine, et donc on va discuter un peu autour de ça. Salut voyageur Twitch, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, alors après, si pendant l'émission, justement, je suis pas directement à vous remercier pour les follow ou à vous saluer, je le ferai quand il y aura des petits temps morts. Évidemment, quand quelqu'un est en train de parler, je ne vais pas le couper pour pouvoir vous répondre, mais ça sera le cas. N'oubliez pas, hein, je vous répondrai évidemment. On est là avant tout pour interagir avec vous. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir évidemment des anecdotes, des histoires qui viennent de nous. On va aussi, j'ai deux petites actualités intéressantes qui sont tombées aujourd'hui, notamment sur le réseau Snapchat et aussi sur une série qui, à mon avis, vous plaît à tous. D'ailleurs, on aura quelques actualités, un célèbre TikToker qui est allé twerker dans une église, on en parlera. On parlera aussi de l'affaire Cyprien Squeezie, on reviendra rapidement dessus, on expliquera un peu ce qui s'est passé. On aura aussi un autre sujet avec Spider Game, on parlera de ce gars-là aussi. Et après, derrière, eh bien, ça déroulera tranquillement. On verra tout simplement ce qu'on pourra raconter, nos anecdotes à nous et des petits sujets. Si vous avez des idées de sujets, vous voulez qu'on débatte autour, qu'on donne nos avis dessus, n'hésitez pas à le proposer dans le chat, ça sera un plaisir d'y répondre. Du coup, on va pas perdre trop plus de temps que ça. Je vais tranquillement couper la petite musique parce qu'on va aller rejoindre, les deux autres titulaires. On va rejoindre les deux autres titulaires. Alors, je vais faire comment? Je vais déjà monter un petit peu le son du casque. Évidemment, c'est une première. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si on entend bien par rapport à mon micro, comment ça marche, etc. etc. si ça fonctionne bien. Du coup, paf, on va les faire apparaître. On les fait apparaître, paf, grille. Et c'est bon, on est parti, bonsoir. Alors d'abord, on va se diriger vers notre premier titulaire, Nobzy, juste ici. Comment tu vas, mon frérot? Ça va, nickel. C'est vraiment un plaisir de pouvoir faire cette première de Radio Bistrot. Alors, Raph, cette semaine, j'ai vu qu'il était en stream. Là, tu te lances un peu. J'ai vu que tu as travaillé tes overlays. Ça fait du CSGO. J'ai vu ton retour sur Valorant aussi. J'ai vu ton retour sur Valorant. Bah ouais, des bans. Après un ban. Qu'est-ce qui s'était passé? Enfin, des bans. Bah, je jouais tranquillement. Et puis, on m'a banni parce que j'étais trop fort. Enfin, voilà quoi. On m'a accusé de cheat. Puis voilà, peut-être je ferai une vidéo dessus, mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu. Pour l'instant, je retryhard. Il y aura peut-être une petite vidéo dessus, quoi. Moi, j'ai regardé vite fait un peu sur Valorant. Il y avait du skill, mais il y avait quand même des fois du petit rage quand même. Moi, on est venu me dire que sur Clash Royale, il y a eu des petites insultes qui sont passées. Royale, on essaye de strain, mais bon, peut-être un peu de rage. Bon, ça marche avec, quoi, on va dire. Bon, parfait. Je vous mettrai leur chaîne dans le chat juste après. On a aussi le troisième titulaire, c'est Zerk. Comment ça va, Zerk? Ça va très bien, et toi? Moi ça va nickel. Alors Zerk et Raph ont la lumière mauve, moi ça n'a pas marché, hein, évidemment. Déjà j'ai galéré à faire marcher Zerk, cette caméra. Moi, hein, j'ai l'impression, moi ma mauve... Mais c'est vrai que Zerk ça rend quand même super bien avec le clavier et tout, franchement ça rend propre de fou, hein. Oh c'est clair. La cam est super bien placée, c'est incroyable. J'essaie d'optimiser, hein, pour que ça soit le plus correct possible. Optimise. Exactement. Bon, cette semaine, j'ai vu Zerk, évidemment. Toi non plus, t'es pas passé à côté. Lost Ark, évidemment que j'ai séché ce jeu. Évidemment, j'ai vu que ça séchait du Lost Ark. Ça séchait aussi surtout la file d'attente. Les 24 files d'attente. Mais la file d'attente, j'ai le temps de faire la connaissance de tous les joueurs. Un petit avis sur la file d'attente? Oh, je dirais que ça va, mais c'est vrai qu'attendre 3-4 heures, c'est un peu long. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, petite anecdote, hier,
Maël qui est dans le chat était en file d'attente depuis, il était 20 millième, il arrive 600ème, j'ai le petit frère qui vient annuler sa file d'attente. C'est vraiment très drôle. Vraiment. Il a gagné sans sub ou pas? Non, c'était pas contre son sub. C'était pas contre son... Il a rien gagné du tout, il a juste perdu, il était juste en full perte. Vraiment c'était cruel. C'est clair que c'est un peu sale quand même. C'était terrible. Je vois comme quoi il y a marqué faut se connecter le matin. C'est vrai, faut se connecter le matin très très tôt, vers 5h, ou alors faut se connecter. Ou très, la très nuit tard. Très très tard. Comme je le fais. Et ça fonctionne. Ou la nuit très bien. Très tard. Merci Olorun ouais. D'influencer ton petit frère. Non mais ça aussi, ça c'est une fausse légende. Moi je n'ai jamais dit au tout petit d'éteindre la file d'attente. Faut savoir que. Attendez. Que je remette tout dans son contexte. Un peu. Maël n'était plus sur son bureau. Il est parti, il était tout content. Il est parti dire je suis bientôt dans le jeu. Et là, on était à côté de son PC. Et je fais imagine, tu coupes son jeu. Et je lui dis, je vais pas dire de le couper. Alors je lui dis, imagine, tu coupes son jeu. Il va sur le jeu. Et je lui dis, attends, je te prends en snap. Va sur le jeu, je te prends en snap pour lui faire croire. Il a vraiment fait annuler. Je... Tu l'as un peu forcé quand même. Non. Tu l'as pris la main. Je me dédouane de toute responsabilité, vraiment. Non. Ah ouais, Lost Ark. On voit qu'il met des. Moi, je me suis pas lancé et je compte pas me lancer. Après, toi, c'est pas trop ton style de jeu. Toi, t'es plus sur du CS:GO, Valorant, du COD. Ouais, des jeux avec. Fortnite, t'as un peu stoppé ces derniers temps. Fortnite, bon. Vas-y, la saison, frère. Les pompes bizarres, les PM chelous là. Ouais, la PM. Ça m'a vite fait saouler. Bon, après. On attend une nouvelle saison et puis voilà quoi. Bah moi c'est un peu ce que j'ai fait aussi hein. Ouais moi je suis ce palier 100, j'ai pris mon Spider-Man. C'est vraiment ce qui est motivé à jouer hein. Ce qui est motivé à jouer. Je suis arrivé, j'ai pris mon Spider-Man, là je suis palier 104. Et bon bah j'ai arrêté quoi. Maintenant c'est sur Lost Ark. On a Voyageur Twitch qui nous dit joueur FPS n'est pas MMO. Exactement, toi t'es plus joueur FPS que joueur MMO. Ouais c'est ça. Pourtant j'arrive à faire les deux, ça va, j'ai un peu de chance. Zerk il est parti. Ouais, moi je suis plus dans le tryhard quoi. Enfin, moi je suis plus dans le tryhard de. J'ai dit Zerk il est partout. Zerk il joue à tout. Multitâche. Exactement. Zerk il peut passer de 50 heures sur Valhalla sans finir le jeu, d'un coup aller mettre 80 heures sur Skyrim. Alors que. Exactement. C'est... Et après partir sur Prison Simulator. Et après on va partir sur Prison Simulator. Après me faire influencer de Counter-Strike, et après me refaire influencer pour faire « Viens, on fait Lost Ark ». Bon bah j'ai lancé Lost Ark, allez hop. Après, Lost Ark t'as quand même été pris, parce que des fois je vois des petits moments où je me réveille, il était connecté il y a 4 heures, bon. voilà. Quoi. C'est clair. Voilà. C'est que la file d'attente était agréable. Moi j'ai entendu que sur Prison Simulator t'avais acheté le jeu et t'avais genre une heure de jeu à peine, enfin t'as pas beaucoup joué. J'en suis à 3 heures maintenant. Non, la première fois qu'il l'a lancé, il a joué 8 minutes. Ouais. Je peux pas lancer un jeu la fraude. Minutes. Non, mais je me suis fait influencer parce que j'ai lancé le jeu. Il y a Raph ici présent. Il m'a dit quoi? Viens, on va jouer Counter-Strike. Bah, j'ai lancé Counter-Strike. Il a lancé. Bah, CSGO, tu as joué combien de temps? Une heure? J'ai 4 heures de jeu, je crois, dessus. 4 heures? Ouais. On avait quand même pas mal joué, je crois. Je crois que je vais même avoir un peu plus parce que j'ai joué pas mal avec vous, mais pas tant que ça. J'ai essayé de vous influencer pour venir sur Valo. Mais en plus, il y a une nouvelle saison bientôt. Valorant, c'est gratuit ou c'est payant? Ouais. Non, c'est gratuit. Ah, parce qu'ici on est des rares. Hein. Ici on est des rares. Donc, j'ai voulu jouer à Valorant. J'ai vu que c'était comme Counter-Strike, mais avec des pouvoirs. J'ai fait, vas-y, laisse tomber. En vrai, non, c'est différent. C'est différent quand même. C'est un mélange un peu Counter-Strike, Overwatch. Mais. Ouais, c'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que t'as un peu le CSGO dans l'esprit, mais t'as les pouvoirs un peu comme dans Overwatch, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça. Et le jeu pique un peu moins les yeux. Enfin, Valorant est un peu plus beau que CSGO. Même si CSGO. Il est sorti. Plus récemment quand même. Ouais c'est ça, CSGO a finalement pas trop mal vieilli non plus comparé à certains jeux, il a plutôt bien vieilli. Après je trouve les gens qui jouent à CSGO c'est pas pour la beauté du jeu, c'est vraiment ça, pour les mécaniques, pour le full skill, full skill. Ouais c'est ça, c'est le jeu est pas fait pour être beau quoi. Ouais c'est ça, avoir un certain talent et devenir joueur pro quoi. Après peut-être voilà, un jour un CSGO 2. Non, c'était pas dans les rumeurs ça, un CSGO 2, j'avais cru voir un truc passer comme ça. Ah pareil, mais bon moi, est-ce que je serais fan d'un CSGO 2? Je pense pas, tu vois. J'attends pas CSGO 2, j'attends surtout Son of the Forest, bien évidemment. Ah, en mai, incroyable. Son of the Forest, ça va être fou en mai. Ce que j'ai vu sur internet. Hâte de voir ce qu'ils vont faire. Le jeu... Faut qu'on termine le jeu avant. Ouais, faut qu'on termine. Le premier. Mais j'ai cru voir qu'il serait beaucoup plus horrifique que le premier, un truc du genre. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Avec des armes à feu, des mobs humains aussi, de ce que j'ai vu. Ah, ça peut être incroyable. Hein. Donc, pas que des cannibales, mais genre des,
Ouais, des humains. Et The Des vrais humains. Forest, c'est eux qui sont que 3 à développer un jeu, c'est ça, hein? Ils 4. Ils sont sont 4, 4 4. Canadiens, ouais. Les mecs sont 4, ils font des bangers. Genre, c'est. Ouais, Ils ça auraient pu c'est éviter terrible. quand même les gollums qui tombent des arbres, mais. Ah, c'est vrai Ils font que des bangers. Ils font des c'est bangers. vrai que les gollums qui tombent, quand Moi, je tu m'en coupes un arbre, souviens. frère, il y en a 3 qui tombent dessus. Bon. Et après, tu dois courir. Ah, bah non, vraiment. Oh, Tu non, des cours, tu mauvais cours. souvenirs. Et tu meurs, et après, tu déco et tu perds tout ton stuff. N'est-ce pas, hein? C'est ce qui t'est arrivé. Je Hein. me vise moi-même, hein, vraiment. Après, avec Oui. Zerk, on avait quand même continué. Maintenant, on a quoi? On a la tronçonneuse? Ouais, mais tu sais que t'es au courant que je vais te l'annoncer, mais la partie a été supprimée. Oh! Oh, le visage! Il s'est décomposé! Pourquoi elle Let's a été go! supprimée? Pourquoi elle a été Parce qu'on. supprimée? Demande à Lorine, c'est de sa faute. C'est lui qui m'a influencé aussi. Alors, c'est vrai qu'on a commencé une nouvelle partie, on a commencé un let's play, d'ailleurs le premier épisode est sur YouTube, il faudra qu'on le finisse. On compte le finir avant le 20 mai du coup. Et J'ai jamais regardé. c'est quoi? J'ai jamais regardé. C'est la J'ai miniature où il y a ma oublié. tête à la place de Timmy. Ah! Réalisé en ma personne, Oui! réalisé Par moi. Ah les Alors, on a gars! Voyageur Twitch dans le chat qui nous dit The Forest en VR, je conseille vraiment, c'est une flip assurée. Ah bah ça déjà juste Ça non. doit être vraiment vomissant, non? Le petit Ouais, gollum si qui je te tombe pense. dessus là quand tu coupes l'arbre en Bah VR. genre tu regardes en haut et tu le vois, genre il t'attend, tu vois. Avec son vieux En vrai, rire VR, là. moi j'ai jamais essayé. Je ferais bien Ah la essayer un VR, j'ai jour, mais jamais essayé non jamais plus la essayé. VR. Mais vu comment il est le jeu de base, alors en VR j'imagine pas. Bah déjà la Ouais, VR, déjà. le casque coûte extrêmement cher toujours, non? Enfin, ça va Ouais. pas baisser les prix au niveau Pas de. vraiment, surtout que je crois que maintenant il y a l'Oculus Quest 2, il a l'air d'être mieux que les autres. J'ai vu le prix, Je. 300 et quelques euros, je crois, un truc comme ça. Ouais. Les grottes en En vrai, tu VR, ouais, dis. tu m'étonnes. Tu dis The Forest en VR, ça doit être patate quand tu te fais attaquer et tout, que ça doit être Ouais. flippant et tout, mais quand tu dois couper des arbres, comment ça doit être chiant sa mère. Bon, après T'es aussi, juste là en train de courir avec le juste te faire chariot. chier, frère, tu vois comme ça, tum, Acheter tum. un Oh mon casque VR pour un jeu qui fait 2 gigas. C'est ça, parce qu'en vrai, il y a quoi de full? Il n'y a pas vraiment de jeu, il y a juste Half-Life 2, je crois, qui avait été développé exprès pour le VR. Mais sinon, Ouais. il n'y a Y pas a de quoi d'autre? jeux qui sont Si, vraiment j'avais vu un faits. truc qui s'appelle Ouais? Blade and Sorcellery, je crois, un truc comme ça, qui est en VR, qui est Après, pas mal. Phasmophobia, je crois que tu peux le faire en VR aussi. Ça peut être intéressant, tu vois. Phasmophobia, ça peut être. J'ai jamais joué à Phasmophobia. Bah, J'ai jamais joué à Phasmophobia, moi non plus. bon, c'est un jeu Moi oui. payant, hein. C'est un jeu payant. Moi oui. J'ai jamais J'ai joué déjà moi à joué. Phasmophobia. Et ça donne quoi? Ah, il est grotte en VR. Non, bah en vrai, Phasmophobia. Après, le problème de Phasmophobia, c'est dès que tu commences à avoir des heures dessus, bah c'est trop simple, quoi. Bah tu connais le Genre truc juste. quoi. Bah tu rentres dans la maison ou dans la pièce, tu vois. Juste avec le bruit du monstre, et bah tu sais direct qui c'est et tu peux te rebarrer, tu vois. Donc Ouais. bon. Phasmophobia, c'est un jeu, faut jouer, on va dire, une heure par soirée, quoi. C'est comme le Vite fameux fait jeu pour. d'escape game qu'on avait fait à 3. Oh! Oh, terrible celui-là. Oh, T'aurais dû celui-là. Je vous ai carry. en faire une vidéo de celui-là ou Je même vous le ai faire en vrai. carry, les Je gars. crois qu'il y Ça aurait été a. Ah, je incroyable. suis pas sûr. Faudrait que je regarde, Ça aurait mais été je crois qu'il y incroyable. a la vidéo. Hein. Ou alors Je j'avais le vous ai fichier, je carry. l'ai perdu, mais il me semble que j'avais fait un truc avec. Ah, c'était incroyable, on s'est fait aider tout le long. Ah oui, mais. On était si nuls. On était là en train de retourner des assiettes. Oh, le code! Non, Ouais, c'était trop, on c'était était si trop. nuls. Non, 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 en vrai, c'était bien. Mais du coup, Raph, qui est pas un joueur de MMORPG, pourtant, je l'ai poussé à essayer WoW. Je l'ai poussé à essayer WoW. Et d'ailleurs, il a dit, si un jour on fait un 24 heures, moi j'ai retenu, il est pas contre venir essayer WoW. J'ai retenu aussi également. J'ai Mais pu pour venir également avec. essayer WoW. Oui, tu l'as essayé. Et J'ai après, il fallait essayé payer. WoW. J'ai appris qu'il fallait payer, donc j'ai abandonné l'idée. Après. Non, mais pourquoi Mais tu m'as pas? dit jusqu'au niveau 20, ça va, j'ai un peu de temps pour jouer. Quand je me suis rendu compte que j'étais arrivé niveau 20 au bout de 5 heures de jeu, j'ai fait bah super. Ouais, c'est assez rapide, hein. En vrai, ça a été augmenté la Enfin, rapidité. ça m'a un peu dégoûté, mais après, ouais, Après, pourquoi WoW, si je me trompe pas, c'est pas un jeu où si tu tryhard, après tu peux avoir l'abonnement pas. Ouais, gratis ou un truc si, de c'est genre. ça, mais Si faut. C'est tu ça, ouais. full farm des golds, c'est pas vraiment tryhard. En vrai, en faisant une heure de farm par jour, en visant les bons trucs, en suivant mes tutos PO, tu peux absolument te faire assez de gold par mois pour payer ton abonnement avec. Moi, Les tutos PO. j'avais payé le billet BlizzCon online. C'était 45 balles, je crois, juste en juin août, tu vois. J'avais payé le billet Oh, mais après, faut quand de même la truc. tryhard bien, 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 quoi. Ah oui, après, faut full farm et avoir un peu de chance, être sur un bon serveur, etc., quoi. Alors, là, on a un mec qui nous Dès qu'il me demande. dit un serveur, je le suis, hein. Et Escape for Tarkov, vous avez testé? Vous avez déjà testé J'ai testé, j'ai pu tester, moi, j'ai pris le jeu, j'ai testé. Vraiment très difficile, c'est vraiment un jeu très difficile. Bah déjà, je vous explique à vous qui ne connaissez pas le jeu, c'est simple, c'est que bah, du coup, vous avez votre personnage, vous avez une base que vous pouvez améliorer, et après, en fait, vous avez des maps où vous y allez, en fait, et après, ça dépend, il y a des bots et des joueurs.
Et par exemple, je dis une bêtise, mais si vous prenez une AK-47 avec full munitions et que vous mourrez, vous rentrez et vous devez attendre un certain temps avant de pouvoir rejouer. Mais en même temps, l'AK-47 et les munitions, vous les perdez. Si elles sont pas dans un loot spécifique, les armes que vous avez, vous les perdez. Ah ouais, En genre... fait, le but, c'est que vous arrivez du coup sur une map assez grande, vous n'avez pas d'indication, il n'y a pas de map, il n'y a rien. On vous dit juste quelles portes sont les sorties, et vous faut les trouver en survivant en fait. Ah ouais, Ok. c'est... Ah Mais ouais, en c'est vrai, ça a l'air vraiment. C'est un style de BR un peu, non? En fait, c'est un battle royale, mais vraiment battle Ouais, genre royale, quand genre tu meurs, Hearthstone. c'est ça, genre... Tu meurs, tu perds tes armes, tu perds tout ce que tu n'as pas pu sécuriser, quoi. En fait, c'est un peu comme si, par exemple, je vulgarise un peu le truc, mais comme si, par exemple, Warzone, ta classe, genre t'avais farmé pour avoir les armes de ta classe, et si tu meurs avec ta classe, tu perds ta classe. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, c'est... Ok. Et donc toutes tes Donc, heures de farm avec. oui. Ah ouais, En même temps. c'est Tu vois, hard. si je dis pas de truc, il y avait un truc comme ça sur CSGO, si je dis pas de conneries, mais pas sur le CSGO qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, je crois, sur le Source. Tu pouvais farm des genres de gold comme sur WoW, tu vois, Ouais. pour acheter des armes dans le jeu et avoir genre des skins et tout. Et genre, je crois que ça avait un truc si tu perdais genre des nombres de manches incalculables, genre tu perdais tout, 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 tout. Et genre, il y a des mecs qui avaient genre 3000 heures, je regardais des vidéos, le gars il pète son écran et tout. Mais genre des trucs de fou, frère. Franchement, Escape for Tarkov, j'y ai pas joué longtemps parce que moi je ne suis jamais patient. Ça m'a vite énervé, J'avoue mais que non, un vieux mec qui c'est vrai campe te dégomme et tu perds tout, frère. que. Ah non, c'est. Non, mais puis même le jeu, genre t'as des touches pour à peu près tout. Je dis une bêtise, mais t'as un raccourci, t'appuies sur un raccourci. Ton arme, tu vides le chargeur, par exemple. Et je dis une bêtise, mais aussi, mais si tu tires sur un mec et que tu n'as pas pensé à remettre un chargeur dans l'arme, Ah et t'as... bah quand tu vas vouloir lui retirer dessus, ça va pas marcher en fait. Ah ouais. Ah Si tu ça vas, rigole pas. c'est vrai que ça va clic clic clic, mais tu vas pas tirer, parce que t'as pas remis de chargeur dans le jeu, dans le flingue. J'avoue que ça a l'air dur quand même. Ouais, Ah, c'est ce qu'il c'est nous assez dit là, dur. Voyageur Twitch dans le chat. En gros, que Escape from Tarkov, c'est un jeu de simulation, mais un vrai jeu de Ouais, simulation, c'est un quoi. vrai simulation de guerre en fait, C'est... Ouais. de guerre et de battle royale en même C'est un temps en fait. jeu gratuit du coup? Non, c'est 40 balles, la version basique, standard, celle que 40 j'ai balles pour... qu'en plus t'achètes 40 balles pour perdre ton stuff à chaque Ouais, port. c'est ça, Bonheur. Bonheur. Pour casser c'est une des tables vraie avec ton douille. crâne après, tu vois. C'est ça, Je non mais vois c'est le qu'il y truc, a des ouais. moments où t'as envie de mettre le poing dans l'écran et. Et faut pas, parce qu'après faut repayer l'écran en plus du jeu et de Après, tout perdre. voilà, donc là tu perds à la fois l'écran et en même temps ta partie. Ouais, c'est clair, je vois le but Le du jeu bénéfice n'est pas et là quoi. ça a l'air compliqué, hein. Mais non, c'est un bon jeu, après c'est vrai que je dois avoir quoi, les 5 heures, 6 heures de jeu, voilà, donc je suis vraiment encore un débutant là-dessus, hein, clairement. Et c'est quand même plus, c'est toujours plus que Prison Simulator. Oui, mais Prison Simulator, c'est plus facile. Oui, mais tu peux choisir les noms de tes prisonniers et tout, non? Oui, je peux choisir Oh, c'est même leur fou ça. apparence. Oh, mais c'est fou. J'ai vu dans le workshop Steam que par exemple je pouvais télécharger un workshop, c'était par exemple tous les Avengers. Et tous les Avengers, c'est mes prisonniers. Attends, genre ta Captain America là, Ouais, tu ouais. l'emmènes au Genre goulag. j'avais même Groot. En croûte, en prison. Ouais, Ah, incroyable. ouais. Faudrait que Moi, je veux bien le je bébé faudrait que Yoda. je vois. Faudrait que je vois ce Bébé que ça Yoda, donne. Yoda. Joue bébé Ah Yoda ouais, en non, prison, ça peut faudrait être que je vois fun. ce que ça donne, mais ouais, tu Ah peux faire non, je plein te jure. de. Tu peux faire plein de trucs. Et pour revenir un peu aux jeux assez hard comme Escape from Tarkov, je trouve qu'il y en a de moins en moins des jeux très durs comme ça, alors qu'à l'époque, les jeux étaient vraiment durs de base. Et de plus en plus, je trouve que les jeux deviennent de plus en plus faciles en vrai. Même la Ouais. MMORPG, genre WoW, à l'époque, pour être niveau max, c'était très compliqué. Maintenant, en 5 heures, regarde, t'es niveau 20. Et les jeux Bah, se facilitent se de plus en facilite plus avec le temps. parce que les Ouais. joueurs sont de plus en plus casus. En gros, ils jouent, enfin, ils viennent pas pour Bah oui. tryhard Ouais. souvent. Ouais. Et C'est puis même ça. maintenant, quand on regarde, il y a beaucoup de joueurs qui maintenant se plaignent des jeux qui sont impossibles à finir. Ouais. Par exemple, il y a que les Dark Souls qui, eux, sont restés durs du début à la fin. Sekiro aussi, j'ai entendu dire qu'il était dur. Un autre aussi, j'ai oublié, Ghost of Tsushima aussi, je crois. Ouais, Ils ont dit qu'il était j'ai cru comprendre qu'il était assez assez compliqué, compliqué. ouais. C'est From Software, je crois, qui les a fait tous ces jeux-là. Donc, c'est ceux qui ont fait Dark Souls. Les Dark Souls, c'est des jeux très compliqués. Mais il y Il y a a un peu des jeux dans comme la ça. même série, là, il y a Elden Ring qui sort très bientôt. Elder Ring, ouais, mais c'est plus style MMO, je crois. Non? Ouais, Je c'est un sais peu plus pas. style MMO, mais il me semble que c'est censé, enfin ça devrait être un peu dans la même difficulté que Dark Souls. Mais c'est vrai qu'on a de moins en moins des jeux comme ça. Là, on a un fan Si. de Dark Souls dans le chat. Il sort demain, bah tu vois, il sort demain Elden Ring. Donc, Ah bah. oui, Elden Ring est un MMO, ouais, voilà. Ouais, voilà. Ok. Mais qui reste très difficile comparé à la plupart des jeux qui sortent.
Je m'en rappelle, vrai hein, qu'il y a beaucoup de j'avais jeux. acheté Dark Souls 3, l'ultime édition. Évidemment, je me suis dit, bon, bah, le jeu, c'est un jeu comme un autre, je vais bien pouvoir le finir un jour ou l'autre. Je n'ai jamais dépassé le prologue, je crois. Ça m'a énervé très vite. Le C'était mauvais. prologue. Ça m'a énervé Et très vite. tu t'es jamais chauffé à le relancer pour... Il faudrait que je le réinstalle. Parce que ça fait combien de temps que tu n'as pas rejoué? Deux ans ou un an et demi, Ah comme voilà, ça. là t'as pris de l'expérience maintenant, t'as un meilleur Bien sûr. mental. Tu mets du Bien gros sûr. ziaque en fond et le prologue tu le défonces. Ben oui. Ah, mais après, je sais plus si c'est exactement le prologue, je suis pas sûr à 100%, mais c'était un truc où il y avait un mec assez chaud quand même, et je vois, il m'a mis une branlée, deux branlées, trois branlées, quatre branlées, et j'ai Il a fait. fait, enfin, c'est bon. Et après il a Ah, c'est bon. acheté Escape from Tarkov, il a fait merde, je suis maudit en fait. Ouais, Vraiment. après, j'ai vu Skyrim. Après, Ah, Skyrim, je l'ai Skyrim. découvert depuis ma tendre enfance, hein. Skyrim, je le connais. Ouais. Et là, j'ai vu sur PC, j'ai vu qu'il était pas très 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 cher, parce que moi, je suis un rat, faut pas l'oublier non plus. Oh, tous, hein, vraiment. Un sou Et ce reste un sou. jeu, ah mais Skyrim, franchement, c'est un des meilleurs jeux avec lequel j'ai la meilleure expérience. Ah, tu m'étonnes. Oui, Façon, tu as pu voir ce que je t'ai montré sur ce que je t'ai montré mais j'ai vu que la dernière fois, avec. t'étais en train de full mode le jeu, vraiment. C'est ça qui est bien aussi avec les anciens jeux, c'est que tu peux les modder un peu comme tu veux. Un peu comme GTA V en solo. Tu peux en faire ce que tu veux, mec. Tu peux être flic, tu peux être pompier, tu peux être pilote d'avion. Tu peux vraiment le mode. Tu Ouais, peux c'est même clair. modifier la map. C'est ça. C'est clair. Mais non, ouais, Dark Souls, c'était comme disait le voyageur, c'est une purge, les boss, c'est des purges. Ouais, j'ai jamais C'est joué à un que. Dark Souls, tu vois, et ça me donne pas du tout envie d'essayer. Vraiment. Moi, tu vois, ça me donne quand même envie d'essayer. Mais toi, t'as plus l'esprit tryhard que moi, j'ai moins, tu vois. Même moi, je suis un tryhard, mais pas au même niveau que toi. Ça me donne plus envie d'essayer parce que je me dis si j'y arrive, gros. Bon, là, je regarderai les Voilà, autres, je dirais, par mais exemple, toi, t'es nul, hein. sur Valhalla, je suis Tu au vois? début du jeu encore, hein, clairement. Je suis encore début du jeu, je dois avoir quoi, 25-30 heures de jeu peut-être. Ouais, voilà, là, c'est terrible, elle est extrêmement longue. J'ai quoi? J'ai 100 points de puissance, j'ai voulu affronter un démon de niveau 340, je crois, un truc comme ça. J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai quitté le jeu directement. J'ai fait non. Bah, Bon, regarde. il m'a mis un coup, je suis mort. J'ai fait non, c'est bon. Je vais pas essayer de battre les boss alors que je suis trop faible. Toi, J'en ai eu, c'est clair. t'as soulevé le géant des glaces, alors que moi, bon, le géant des glaces, Ouais, mec, mais j'ai pris 3 jours dessus. après le géant des glaces, j'ai réussi, j'ai eu de la chance, je l'ai eu du premier coup, hein, parce que franchement, les combos et tout, je les connais, donc ça va, c'est facile. Ouais, c'est ça. Et Mais pour revenir un peu sur les. tu me disais, ouais, tu me disais, les géants des glaces, j'ai mis 3 jours et tout. Ah, ouais, mais mec, j'ai galéré, hein. En fait, j'étais unstuff. Ouais, Toi, tu fais tous les petits trucs là. Moi, je faisais rien. Juste, je faisais là, ma moi trame je. Ah principale et je non, fonçais. ouais, non, moi je récupère tout. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai que 25 heures de jeu, je dois être à quoi? Les peut-être 10% de l'histoire, un truc comme ça. Ouais. 10-20% de l'histoire Non, peut-être. mais en Mais fait, les Assassin's c'est Creed toutes sont les quêtes bien. annexes, quoi. Mais je trouve que Ouais, mais l'histoire, des fois, pas. est très très longue, quoi. C'est. Ouais. Il faut du temps pour y jouer. Et. Bah, de toute façon, j'avais regardé un article là-dessus. Par Ouais. exemple, le tout premier Assassin's Creed sorti en 2007. Pour le finir 100%, il faut que 34 heures de jeu. Bah que 34... Mais sorti quand? En 2007? Ouais, Bah mec, c'est 2007. 34 heures en 2007, ça devait être incroyable, hein. C'était C'est vrai. incroyable. Ah ouais, C'est vrai que voilà. c'était déjà beaucoup. Et Mais tu quand vois, tu ça, après, regardais. c'est un peu les jeux chill, quand même. Moi, Ouais, je me ce vois sont pas des jeux. tryhard un jeu C'est comme ça, tu vois, c'est des un jeu. RPG en fait. C'est même pas des MMO là, c'est vraiment des RPG quoi. Des Ouais, jeux c'est de rôle. un jeu de canapé. Bah, C'est Assassin's un. Creed a Non, même pas, tourné à c'est un un jeu de moment. rôle. C'est avec, pas Oui, Odyssey, Origins. Origin, où vraiment ils sont devenus RPG. Et RPG, ouais. Parce qu'avant, c'était vraiment un jeu d'infiltration. C'est ça, certains ont critiqué, certains ont bien aimé. J'avoue que Moi, moi, je de par sais faire que des ça a points de perdu un peu compétences de et charme. tout. Moi, je suis resté fan de la licence, malgré le fait que je n'ai jamais fini aucun des jeux. Si, sauf le 2. Ça a perdu quand même de son charme, J'ai quand toujours été même. très fan de cette série, parce que bon, j'ai entre guillemets grandi avec ces jeux-là, forcément. Dès qu'il y en avait un qui Ouais. sortait, bon, on me l'achetait à l'époque, Ah bah c'est sûr, quand tu forcément. grandis avec un jeu, forcément ça reste, c'est comme moi, Bah WoW, ouais. mec. Regarde, je joue encore à WoW. Bon, Je me voilà. rappelle, gros, on était encore au collège, Je tu me parlais parlais déjà de déjà WoW. de Je WoW. parlais déjà de Tu me WoW, parlais de ouais. WoW. C'était fou. J'avais même le coffret, alors je sais plus c'est quoi le coffret que je t'avais parlé là avec les trois premières extensions. Tellement ça date. Encore en Ouais, ouais, CD, ouais, ouais, ouais. à l'époque. Ouais, en CD. Mais là, si on la voit juste là, c'est la La collector de box. la dernière extension. Ouais. La collector, assez fier de l'avoir parce qu'ils font plus juste les box CD. Si tu veux avoir le truc, même à l'intérieur, c'est un code en fait. Ils font plus les CD, genre. Ah, regarde, je vois C'est Voyageur qui pénible. dit je trouve dur le mot jeu de canapé en parlant d'Assassin's Creed, sauf que moi, pour moi c'est un jeu de canapé parce que moi je travaille trop de jeux où tu vois c'est pas FPS chill quoi. quoi. Tu travailles Ouais voilà. pour Ouais, va c'est jouer à ça, les Valo dans ton FPS. canapé, En fait, je veux le truc dire, ou pour va toi, jouer à c'est que CSGO.
comme tu joues à des trucs où t'as besoin d'énormément de skills, dès que t'as un jeu où tu suis un peu une histoire, où c'est un peu scénarisé, en fait, c'est tout de suite posé pour toi, parce que tu suis des fois des scènes qui sont scriptées. Donc voilà. Ah bah, et pour revenir sur justement les dans le jeu de canapé, je calme quoi. Mais franchement, si tu veux un jeu où faut tryhard vraiment à mort, télécharge, achète Tarkov. Ah, franchement, là, tu vas tryharder et on va t'entendre rager, mais des kilomètres. Hein. Ah, vraiment. En vrai, pourquoi pas. Déjà que sur Clash Royale, on perd vite son sang-froid. Alors, pense à mettre sur Clash Royale entre les racistes et tout, là. Mais pensez à mettre le code instant. Mais c'est quoi ce délire, là, des mecs qui disent que t'as un deck raciste? Moi, je comprends. Un deck raciste, c'est simple. En gros, t'as des cartes sur Clash Royale. Ouais. Et les cartes qui sont plus ou moins pas OP, qui facilitent, en fait. Mais bon. Et en gros, en ce moment, je sais pas, il y a une mode de dire un deck raciste. C'est genre un deck où t'as un géant électrique, des barbares d'élite ou des trucs comme ça. C'est genre les mecs, quand ils jouent ça, vraiment, ils ont pas de vie, quoi. Et du coup, on appelle ça un deck raciste. Après, pourquoi raciste, je sais pas. Ouais, c'est comme j'ai déjà vu, hein. Il y a des gens qui disaient que certains decks c'était des gays, des decks de gays. Hein. C'est des ouf. C'est des ouf. Ouais, je te jure, hein. Tu regardais des vidéos de Gotaga par exemple qui jouait, tu voyais dans les commentaires de ses vidéos que des petits drapeaux LGBT. On a Maël qui dit avec Eric dedans le deck raciste. Bah, bravo Maël. Bien évidemment. Je vais pas pouvoir le mettre là parce qu'on est en live, mais j'ai le frérot qui est derrière. Il est à côté. Et du coup, pour rester un peu sur les jeux un peu hard, on a Voyageur Twitch qui nous dit. Tarkov, c'est un jeu d'épreuve si vous aimez avoir mal. Ouais, voilà. Parce que vraiment, ça fait. Quand tu tryhardes, je sais pas, je dirais une connerie, une heure et demie à sortir, à réussir à te faire un bon stuff et que tu lances une game, là tu tombes sur même un bot, hein, parce que les bots là-dessus, ils sont pas faciles. Hein. Si tu tryhardes une heure et demie pour avoir un bon stuff et que là, t'as un mec qui te met une balle, il récupère tout ton stuff, toi tu te retrouves à poil à attendre 20 minutes pour pouvoir rejouer une partie avec ton personnage, tu pleures. Ah ouais, mais surtout. Moi, j'ai une question à poser. Ah mais moi, vraiment, les bots, ils m'ont foudroyé. Il y a des bots, ils m'ont foudroyé. Et moi, j'ai une question à poser, vu que moi, je connais pas le jeu. Est-ce que si t'arrives à tryhard sans mourir, vu qu'après, tu vas avoir un stuff, on va dire un gold stuff, tu vois, genre en mode. Est-ce que c'est plus facile, du coup, de tuer les gens et à fur et à mesure, tu meurs plus, quoi? C'est parce que genre, tu peux aussi améliorer tes armes, par exemple tu peux très bien tomber sur une arme basique, une arme standard. Après en fouillant des trucs tu peux tomber sur des viseurs, tu peux tomber sur des trucs comme ça, tu vois, qui peuvent te permettre de viser plus facilement, ce genre de conneries. Ouais, je vois un peu. Mais par contre si tu meurs tu perds tout. Bah après je sais que t'as des endroits, c'est là où je mettais tout le temps mes armes, les armes nulles que je gardais. T'as des endroits en fait où même quand tu meurs, tu ne perds pas ce que t'as en fait. Ok, t'as quand même moyen de sauvegarder certains trucs. Ouais, certains trucs, genre c'est quoi, c'est 6 slots, mais genre c'est des slots qui te permettent juste de mettre un chargeur, des bandages. Par exemple, une arme, ça va prendre 4 slots par exemple. Une AK-47, ça peut prendre 8 slots, donc ça faut mettre ça dans le sac à dos. Tu vois, alors qu'un bandage ou un chargeur, ça va te prendre 1 ou 2 slots. Et dans ce que tu peux garder sans le perdre, t'as 6 slots, je crois. Donc forcément, quand tu meurs, tu perds le plus gros, quoi, en fait. Ok. Ouais, je vois un peu. Bah, de toute façon, après, il y a énormément de vidéos sur YouTube si vous voulez vous renseigner sur le jeu. En vrai, ça peut être un bon jeu, tu vois. Mais après, ouais. Bah, faudrait que je le réinstalle parce que c'est vrai que. Et tu l'avais acheté 40 balles ou t'as attendu un truc gratuit? Non, je l'ai acheté 40 balles. Ah, ouais, tu t'es fait chier, voilà. il est étonné que Zerk ait lâché 40 balles. Ah, mais mec, 40 balles pour un jeu. Après voilà, j'avais un petit pack officiel, parce que j'avais un petit pack de bienvenue, un peu comme Ren avec Lost Ark, parce que le jeu est encore en early access. Le jeu il est même pas fini encore. Le jeu c'est un peu comme Star Citizen, genre. Le jeu est pas du tout fini, mais C'est okay. Un peu un pack fondateur en fait. Ouais, je vois. Mais t'as pas des packs fondateurs à 15 balles quoi, par contre. Là c'est le pack minimum à 40 balles. Là c'est le pack fondateur qui te fait mal quoi. Ouais, en gros, le pack c'est. En gros, c'est comme si tu leur faisais un don de 40€ pour financer, en échange t'as accès au jeu. C'est ça en fait. En fait, Star Citizen, c'est un peu ça. Genre, tu peux faire des paliers de dons. Et le premier don que tu peux faire à l'entreprise pour justement développer le jeu, c'est 40 balles. Et avec ce 40 balles, ils te donnent accès au jeu, un petit vaisseau. Et tu peux faire des dons de 400€, 1000€. Et ils te donnent des trucs en rapport avec ça. C'est ça. Bah, par exemple, moi, je sais qu'avec le pack fondateur que j'avais acheté, ouais, il m'avait donné pas mal d'armes. J'ai eu déjà pas mal d'armes. J'ai eu des slots en plus. J'avais déjà des points pour améliorer ma planque. Et j'avais pas mal de petits trucs. Et c'est pour ça que j'ose pas y jouer, parce que si je perds ce que j'ai gagné, parce que même ce qu'ils t'ont offert, tu peux le perdre. Ah bah oui. Ah mais c'est une arme vois, je trouve ça un peu toxique, parce que en fait t'as peur de jouer, alors que même si tu tryhards, tu dois quand même prendre un peu de plaisir. Et bah bon, c'est ça, en fait, mais vraiment ce jeu-là, bah regardez des vidéos, il y en a plein, il y en a énormément des vidéos là-dessus.
Je crois que si je dis pas conneries, même Mister B-Boy qui en a fait des vidéos dessus. Ouais. Après, quand t'es plusieurs à jouer, forcément c'est plus facile. C'est une Mmh. squad donc il y en a un à gauche, un à droite, etc. Mais ah non, franchement, c'est quand t'es tout seul contre tout le monde, ou même des gens qui jouent en groupe et t'es tout seul, c'est vraiment, vraiment compliqué. En vrai, ça peut être vraiment cool à voir. Moi, je suis chaud en vrai Ouais, de l'acheter. je vais regarder le prix sur internet. Et pendant que tu fais Mais ça, il y a maintenant. souvent Voyageur Twitch qui nous dit que lui, il est fâché avec Star Citizen et que Tarkov est beaucoup plus jouable. C'est vrai que Star Citizen, c'est un jeu très instable, très mal optimisé. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux vraiment être bien pour jouer, c'est 32 Go de RAM. Il y a même certains streamers, pour y jouer et le stream en même temps, ils ont besoin de 64 Go de RAM pour être vraiment opti. Donc c'est absolument énorme. Et le jeu est très mal optimisé encore. Ah Et Star voilà, Citizen, je à crois, c'est, voir. ils ont fait énormément de dons, plusieurs centaines de millions, et le jeu est toujours pas prêt. Ça doit faire plusieurs années qu'il est en développement, et t'es pas prêt de le voir avant 2030, quoi. Il y a possibilité qu'on entende le clébard à côté, ce n'est pas de ma faute, je tiens à le préciser. On l'entend pas. Je tenais. Ah bon, bah tant mieux alors. Je tenais à m'excuser par avance au cas où. Bon, pas de souci. Et c'est vrai que là, en ce moment, les jeux, c'est plutôt dans les Battle Royale qui sont à la mode. Enfin, ça baisse un peu, mais qui était à la mode. Avant, on avait eu le MMO plutôt dans les années 2010, c'était vraiment à fond à la mode. Et il y a aussi le roleplay, là qui était un peu en même temps que le BR. Et c'est vrai que GTA, avec grâce au mode justement de la Ouais. communauté, GTA RP c'est devenu quelque chose d'assez fou. Je sais pas si comment marche la commu GTA RP en ce moment. Je sais qu'à un moment c'était assez ouf. Oh, en ce moment avec Jeltomi, Amaru et tout, en vrai ça fonctionne Ouais, bien. ouais. J'ai pu y Les jouer, hein, JL, ouais. j'avais j'étais sur un Les serveur JL, ça fonctionne bien. RP à une époque, et ouais, non, franchement, là, c'était sympa. Hein. Ouais, bah Après, je t'avais vu un peu, ouais, ça avait l'air cool. tu vois, Raph, par exemple, là, le jeu de base en bêta, il est à 32 € sur Instant Gaming. Et là, la grosse édition, en fait, elle est à 105 €. Ouais, d'accord. C'est vraiment genre une édition de Mais que si bâtard. tu te fais tuer, tu perds tout, Oui, quoi. aussi, toujours. Ça change pas. C'est ça le risque, c'est que t'as peur de jouer, en fait. Attends, quoi? Il y a Maël qui dit quoi? En parlant de Lost Ark, connectez-vous, ils offrent une monture. Tu Bah, m'étonnes pour le important. temps des files d'attente. Bah, c'est bien qu'ils fassent un geste aussi d'un côté. Tu vois, Bah, ils ouais. savent qu'ils sont dans le mal. Bah, oui, tout le monde le sait Mais qu'ils tu sont vois, dans le moi mal. j'ai trouvé toujours ça con de. Pour se faire pardonner, t'offres un vieux truc. Tu vois, comme sur Fortnite, Ouais, je sais la pas pioche là, si. quand il Enzo, y a vu tu les t'en problèmes de souviens? serveur, ouais. Ouais, quand des fois on avait des problèmes pendant 3 jours, le jeu il peut même plus se lancer, et il t'offre un vieux skin. C'est bien, mais bon. Enfin, je sais pas. Là, on a Je vois pas Voyageur le Twitch truc. qui nous dit justement sur Star Citizen. J'ai un ordi qu'il faut pour jouer à Star Citizen et j'ai des bugs que je trouve depuis plusieurs années et ils sont toujours pas corrigés. C'est vrai que Star Citizen au niveau de développement ça a l'air déjà assez pas organisé du tout. Et surtout t'avais même eu des rumeurs après qui s'avèrent vraies ou faux. Comme quoi justement le mec des fois il tapait dans le don juste pour sa fortune personnelle. Quand tu vois le jeu a fait vraiment plusieurs centaines de millions de dons et bah ils ont toujours des bugs de fou, le jeu est mal optimisé. Même si ces derniers temps c'est mieux, ils ont le jeu est un peu plus stable. Mais pour tous les dons qui ont été faits, le jeu reste extrêmement instable. Amazon a appris après l'échec de New World. C'est vrai que New World aussi, ils ont eu des gros problèmes. Niveau serveur aussi, mais ils avaient des problèmes de hack, avec des gens qui avaient niqué l'économie en faisant des duplications, etc. Bon, c'est compliqué, quoi. Elles enfoirées. Non, Ouais, c'est c'est vraiment ça. bizarre. Après, tu te dis, bon, les mecs, ils sont contents, ils sont riches sur le jeu. Mais si t'es riche sur le jeu, mais que t'as niqué l'économie, ça sert à quoi d'être riche, en fait? Bah, c'est C'est que t'es clair. plus riche, quoi. C'est que C'est. t'es plus riche du tout, ça sert à rien. Bah oui, parce que. En fait, tu peux comparer ça un peu à comme quand t'as des économies qui s'écroulent dans le monde réel, c'est que t'as des mecs qui payent leur baguette de pain avec 100 000. 100 000, je sais pas avec quoi ils payent au Venezuela, mais il me semble que c'est là-bas. Ils payent des baguettes de pain avec des brouettes remplies d'argent pour une baguette de pain parce que l'économie a écroulé. Ah, c'est bien, tout le monde est riche, mais si tout le monde est riche, mais que ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'économie derrière, Ouais, c'est inutile. C'est inutile c'est clair. et Mais c'est comme j'avais vu quelque chose comme ça. J'avais vu quelqu'un avait créé genre une matrice un peu bizarre, tu vois. Et imaginons que tout le monde ait 10 millions d'euros dans son compte, tu vois. Ouais. Genre, c'est bien. Mais du coup, tout au final augmentera. C'est ça, exactement. Tout va augmenter Exactement. considérablement. Donc au final, tu seras riche. Mais au final, non. Parce que vu que tout te coûtera encore plus, enfin, 20 fois plus cher, bah tu seras pareil, quoi. C'est toujours ça le Juste avec risque. plus C'est d'argent, toujours quoi. ça le risque, ouais. C'est en fait plus les gens ont d'argent, déjà plus ils vont payer sur leurs taxes, et surtout Bah plus le monde va devenir plus cher. Donc c'est ben oui, ouais. des fois en fait avoir plus d'argent pour avoir plus d'argent, bah c'est juste pas très malin quoi. C'est un peu le cas sur certains jeux. Juste sur WoW, t'as des mecs ils sont riches,
Mais derrière, l'économie sur WoW, c'est vraiment un leur point fort, c'est qu'elle s'est jamais écroulée. T'as jamais eu de hacker vraiment sur WoW. Il y a eu des gens qui vendaient des PO contre de la vraie argent. Il n'y a pas longtemps, Blizzard a communiqué, maintenant c'est totalement interdit, c'est ban définitif si tu le fais. Là, c'est comme sur le Stark. Ce qu'on avait vu. D'ailleurs, on a signalé le mec et c'est bien interdit. Hein. Si vous jouez au jeu, n'hésitez pas à le faire aussi. Hein, à signaler ces gens-là parce que. Enfin, les mecs cassent les couilles, le jeu vient de sortir, ils viennent, je vends de l'argent contre 10$. Déjà, bon, parce qu'il y a vraiment des gens qui vendent 1000 gold pour 10$ alors que même nous, on les trouve moins chers. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent ça? Eh bien, sur WoW, il y avait une guilde qui s'appelait Gallywix. Et en fait, ils vendaient de l'argent contre des gold. Et ils ont fait donc. Comment ça s'appelle? Blizzard les a retrouvés, ont porté plainte, ont fait fermer leur site et tout. Ils ont fait 600 000 euros de bénéfices. En vendant des gold. Parce qu'il y a des mecs qui, oui, vont en acheter. Regarde, comme dit Lisaël, va sur eBay, ils vendent des comptes WoW. Je suis sûr qu'ils vendent des comptes Fortnite aussi. Ça c'est pareil sur CSGO, tu vois. J'ai rejoint un Discord et tout, tout le monde en parlait et tout. J'ai eu une discussion super longue. C'est comme sur, tu vois, sur CSGO, tu peux acheter des couteaux, des skins d'armes, tu vois. Ouais. Ça change rien dans le jeu, mais t'as un skin, une Dragon Lore, 30 000 euros, tu vois, c'est cool. Mais en ce moment, il y a full scam. Genre en mode le gars il dit oui t'inquiète, t'as ton skin pour dans une ou deux parties et après le gars il les récupère. Ouais. Sauf que toi t'as payé 30 000 euros ton skin et c'est vrai on va le retrouver. Tu peux acheter aussi des skins non sur la boutique Steam revendus par des joueurs qui les ont loot non? Ouais ça après c'est vrai. Ça, après, mais ça après c'est oui c'est surveillé par Steam et tout. Surveillé par Steam. Mais souvent, la Dragon Lore qui est vendue à plus de 1000 balles un truc du genre. Si bien ouais, sûr. C'est ça. Ouais. Mais souvent les gens après ce qu'ils font c'est qu'ils demandent par exemple dis-moi ton... Les codes de ton Steam par exemple, ouais. Et le gars après il t'ajoute, tu vois, soit il peut vraiment t'ajouter, mais après il te la reprend et il te vole ton compte quoi. Ah ouais, donc au final, c'est terrible. C'est pour un vieux skin CSGO. C'est vrai que c'est pour ce genre de manipulation, faut dès que c'est fait et dès que t'as repris ton truc, faut que tu changes tout. Tu changes absolument tout. Ouais, voilà, comme le voyageur il dit, un skin ça fait pas le joueur. Après sur CSGO, c'est un peu différent quand t'as une Dragon Lore. Ça fait pas le joueur, mais... C'est que tu sens que t'as mis de l'argent dans le jeu, quoi. Soit t'as mis de l'argent, soit t'es chaud sa mère, donc... Ou alors t'as une, joueur, de... mais... t'as une chance de baiser et d'avoir drop, quoi. Ouais, parce que quelqu'un qui a un avant... et tout. Ouais, mais t'as vraiment 0,0€. Et d'ailleurs, les caisses, c'est du aléatoire à l'intérieur. Ouais. Parce qu'en Belgique... En Belgique et aux Pays-Bas, faut savoir qu'il y a une loi, du coup, donnée par le gouvernement qui interdit ces jeux-là. C'est-à-dire que... Comment ça s'appelle? Lost Ark. En Belgique, aux Pays-Bas, ils ne peuvent pas y jouer, le jeu est interdit. Pareil pour New World, il me semble. FUT, le mode en ligne de FIFA, il est interdit aux Pays-Bas et Belgique, tu ne peux pas y jouer. Ah, mais les skins CSGO sont bannis en France. Hein. Tu peux pas ouvrir de caisse Valve sans les gagner, genre les acheter, tu peux pas ça. Quand tu vas sur Steam, ça fait c'est supprimé de votre pays, vous pouvez pas. Ouais, parce c'est que ça, soi-disant, plein de... c'est du... quoi, le jeu de casino. Ouais, voilà. C'est comme le casino, c'est du aléatoire. Ouais, ouais. Après, ils ont sorti un truc, ça je comprends pas du tout. Pour eux, c'est pas du jeu de casino, alors pour moi c'est pareil. Tu gagnes une caisse, tu payes 2,20€ pour la scanner. Ouais. Donc c'est de l'aléatoire, en fait, tu sais pas ce que tu vas avoir. Ouais. Mais au cas où tu peux l'acheter, ils disent bah dans ta caisse tu as 2,20€. Enfin, tu as par exemple une arme, tu te dis FIFA, par exemple un couteau. Bon, t'achètes, et après par contre, si tu gagnes une autre caisse, pour scanner l'autre caisse, il faut que tu repayes 2,20€. Pour ensuite racheter ton skin et revendre. Et ça, c'est autorisé? Et ça, c'est autorisé. En Belgique aussi, un truc comme ça, c'est que du coup, EA face à l'interdiction, bah du coup, eux, il faut quand même qu'ils aient cherché leur thune, parce que EA se finance pas parce que FIFA est bon, hein, faut arrêter de déconner. Les FIFA, ça fait 5 ans, c'est les mêmes. Les gameplays, de plus en plus horribles. Ils se financent par FUT, parce qu'il y a des mecs qui achètent un max de packs. Et donc, comme en Belgique, c'est interdit, ils ont fait un truc, c'est que, c'est une fois, je sais plus, c'est par jour, par semaine, gratuitement, tu peux voir ce que tu vas avoir dans un pack, et du coup, tu peux le voir avant et après l'acheter. Et c'est avec ça que je crois que du coup ça s'est autorisé. Au final, ça change rien. C'est même un jeu casino. Quand tu le scannes, ça peut être une Oui. C'est plus l'aléatoire du coup, vu que tu sais ce qu'il y a dedans. Il y avait une manip à faire pour les Belges avoir le Star, quand c'est possible. Il y a toujours les VPN. Avec un VPN, je crois. Juste une tournée ou que on n'est pas sponsorisé donc on ne va pas dire de nom. Évidemment, NordVPN, si vous passez par là, payez-moi, on parle de vous. Exactement. Mais tu sais que tu peux te faire ban par contre sur CSGO si tu mets un VPN, tu peux vraiment te faire ban genre toute ta vie. Tu mets un VPN, tu peux partir sur des serveurs plus facile. Loin quoi. Bah, entre guillemets, plus facile. Ouais, mais après, ça c'est des trucs surveillés et tout. Genre dès que tu retourneras sur ton compte normal. Tu vois, je pense que sur League of Legends ça c'est interdit parce que tu vois Sardosh qui se fait sniper tout le temps quand il est sur League of Legends. Là justement, il va déménager en Corée pour pouvoir jouer tranquillement là-bas. Donc je pense que les VPN sont interdits, sinon il aurait pris un VPN quoi pour, enfin il serait pas fiché à déménager en Corée.
Même si c'est sûrement un très beau pays. Ouais, c'est sûrement un très très beau pays. Non, la Corée du Sud. Oui, de toute façon, il va pas, tu peux pas jouer aux jeux vidéo dans le Nord. Donc, oui, d'abord, tu peux pas rentrer dans le Nord. Tu peux pas rentrer dans le Nord. Mais la Corée du Nord, c'est pas justement quand tu vas en tourisme là-bas, c'est super strict. Et t'as même pas le droit de rigoler devant une statue de Kim Jong-un. Sinon, t'as arrêté, mec. Par exemple, dis-toi par exemple juste que la K-pop, donc la Korean pop, donc la pop coréenne, quoi, en gros, ouais. Est interdite en Corée du Nord. Alors que c'est de la pop coréenne, c'est de la musique coréenne, mais elle est interdite en Corée du Nord. D'abord, qu'est-ce qui est pas interdit en Corée du Nord? Parce qu'en fait, Kim Jong-un On sort où? trouve que la K-pop, en fait, ça enlève, entre guillemets, la crédibilité de leur pays. Parce que du coup, tu vois, tu sais, genre les groupes où ils sont beaucoup, ils dansent et tout ça, machin truc là. Moi, je n'écoute pas ça, donc j'en sais rien trop. Ah ouais, il dit que genre ça... Ouais. Mais en gros, ça décrédibilise totalement la réputation de la Corée, quoi. Du coup, en Corée du Sud, c'est autorisé, mais en Corée du Nord, tu te fais choper à écouter de la K-pop, t'es foutu en tôle. Alors c'est comme en Corée du Nord, il a interdit le blouson en cuir parce qu'il n'y a que lui qui a le droit de le porter. C'est quand même terrible. Quand tu regardes sur Google Earth, la nuit, la Corée du Nord est le seul pays où tout est éteint. Ouais, ça j'avais vu. Mais c'est des Tout est ouf. Hein. éteint la nuit. Là on a Lizelle qui dit dans le chat que justement pour les Belges et l'Ostark, ils pouvaient jouer si un Français leur offrait le pack, un pack fondateur. Donc fallait que ça D'accord. soit avant du coup la sortie du jeu certainement. Mais c'est quand même passé? Parce que ça Un m'étonnerait peu pas chaud. qu'ils tentent quand même un truc pour revenir là-dessus. Le gouvernement belge, quoi. Ce qui n'est pas interdit en Corée du Nord, c'est de manger. Et encore, ça dépend de ce que tu Et manges. encore, je pense que si t'es en prison, t'es même pas autorisé à manger là-bas. Hein. C'est des ouf. Non, je crois qu'il te laisse Ce qu'il dessécher. n'aurait pas interdire, c'est sa coupe de cheveux, par contre, mais. Mais attention, il va te retrouver. Hein. Il va te retrouver, hein. Mets pas un pied là-bas en touriste, tu vas voir, tu vas arriver là-bas. Il va arriver avec un papier, il y aura marqué Nobzi dessus à faire toi, 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 je me souviens, toi. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Ah, nous avons une intervention du côté Ah, une de petite Nobzy. intervention. Bon. Du coup, On ne si. critique pas parce qu'à tout moment, moi, ça me le fait de la même de mon côté, donc on ne va pas Absolument, critiquer non mais là-dessus. c'est pas grave. Ça On arrive à a. tout le monde, mais encore. Des petits sujets, du coup, que tu voulais nous parler? Alors, ils ont revu l'astuce depuis mercredi, tu peux plus le faire. Donc depuis mercredi, si t'es belge, tu peux plus avoir le jeu par un pack FR. Donc ils sont quand même revenus dessus. Et donc il y a quelques Belges, ils ont quand même réussi à niquer le système, ils sont passés. C'est ça. Justement, deux petites actus, un peu en rapport réseaux sociaux. Alors, Snap, même si. D'ailleurs, j'ai vu un truc, c'est que Snap, dans le monde, oui. Excusez-moi, la daronne qui rentre en mode balèque. Dis-lui de follow. Aucun Oh, il respect, faut ajouter Stéphane, une clé aujourd'hui. sur cette porte! Aucun respect aujourd'hui. Excusez-moi. Non, mais les gars, vous savez même pas ce qu'elle me dit. Comment on envoie un DM sur Messenger? Oh, Justement, les en gars. parlant de Messenger, mec, transition incroyable, parlons des réseaux sociaux. Parlons des réseaux Je laisse sociaux. go. J'ai Ça vu commence à un voir, petit on est graphe il d'accord. n'y a pas longtemps. J'ai vu un petit truc il n'y a pas longtemps. C'est justement au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire que Snap en France est extrêmement utilisé, mais dans le monde, c'est l'un des réseaux sociaux, comparé à WhatsApp et tout, qui est le moins utilisé. Étonnant, non? Est-ce que D'accord. vous utilisez beaucoup Snap, vous, ou en vrai, non? Parce que moi, j'avoue que Snap, maintenant, je fais même plus les flammes rien, c'est juste pour le groupe Vigidi que j'ai Snap, hein, vraiment. En vrai, En vrai, plus Insta, en vrai, je trouve. hein, moi, Insta beaucoup moins, Snap beaucoup moins qu'avant. J'utilise toujours pour faire les flammes en deux spi et toujours garder une trace de notre chère Olorine toujours ici présente. Évidemment. Mathieu, ton ref, il a marqué, pauvre, c'est scénarisé. Voilà, ça m'aurait tué que ça soit scénarisé. Mais la tête de homme, c'est vrai. J'ai le seum. Maëlle qui dit, vous allez montrer des extraits, par exemple, le mec qui twerk sur l'église. Alors Non. non, il n'y aura pas Alors, d'extrait parce il qu'après n'y on aura va pas pas avoir une d'extrait parce que polémique. j'ai forcément. En fait, j'ai pas envie de montrer ce mec. Parce que vraiment, j'ai. Ouais, non, On va pas là, après ce qu'il a montrer. fait, j'ai très peu de respect pour lui, vraiment. Non, J'ai franchement, vraiment j'ai aucun respect. plus aucun Même respect s'il a pour déjà lui. eu assez de visu avec ses conneries à Bah, il lui-même. a déjà eu assez de visu, mais même si on n'est pas beaucoup, j'ai pas envie de leur donner en plus. Hein, c'est vraiment terrible. Non, 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 vraiment, Et c'est du coup, vraiment quelque justement, chose à éviter. parlons de Snap. Dommage. D'ailleurs, selon vous, les réseaux sociaux les plus utilisés Dommage. dans le monde? Insta. Insta. TikTok. Alors, Ouais, TikTok, ouais, il faut j'avoue, savoir TikTok. que, du coup, c'est un graphe qui était calculé sur plusieurs années. Le premier, c'est Facebook, 3 milliards d'utilisateurs dans le monde, quasiment la moitié de la Par an? population. Ouais, c'est d'utilisateurs Par an. total Facebook. C'est-à-dire que D'accord. quasiment la moitié de la planète a un compte Facebook. Oui, bah tout le monde. Tout le monde. Et Presque. Bah, pourtant, tout qui le monde. s'en sert? Bah, Très peu de personnes. sauf en Corée, évidemment. Le seul réseau social que j'ai gardé, c'est Twitter. Justement, donc en fait, il y a Facebook, il y a Instagram. Ouais.
Il y a WhatsApp. D'ailleurs, on le précise pas suffisamment, mais les trois font partie du groupe Facebook. Oui, Du le groupe groupe Meta Meta, maintenant. Meta, Groupe attention. Meta. Groupe Meta, pardon. Et donc WhatsApp, d'ailleurs, qui considère ça comme un réseau social, alors qu'en vrai, C'est plus bah, c'était le un truc de message, en fait. messagerie, quoi. C'est vraiment des messageries, quoi. Après, Des messageries. tu peux faire des stories, mais qui fait des stories WhatsApp? Qui a une story privée WhatsApp? Non, non, je ne sais pas. Ah, On avait un groupe super. WhatsApp à l'époque. Je vois On qu'il avait a un été groupe déserté. WhatsApp, mais Il a été déserté. en fait, j'ai pas le réflexe d'utiliser WhatsApp, c'est ça qui est Moi terrible. non plus. Moi, je l'utilisais que quand j'étais au boulot et encore. Ouais, c'est ça, personne. Enfin, moi c'était je un vois groupe de Twitter boulot, le ça va. cancer. Moi je trouve Twitter c'est cancer que si tu suis des gens cancer. Parce que moi Bah. je suis des gens sur Twitter, tu vois. J'ai un compte cancer et j'ai un compte pas cancer. Moi Mais en vrai, il y aussi. a des gens quand même, ils sont vraiment sympas quand même. Bah en fait, En fait, Twitter, Twitter c'est le monde entier quoi. Tu peux tomber sur des mecs. ce qui peut être problématique, c'est que tu suis des gars, donc tu choisis ta TL. Et le truc Twitter, c'est que si un gars que tu suis like un mec que lui suit, et bah tu vas le voir dans ta TL. Et du coup, des fois, tu vas C'est tomber sur ça. des trucs que t'as pas envie de voir. T'as pas Et envie de les même voir. Twitter comparé aux autres, Twitter, il n'y a rien qui est sur ta vie personnelle, quoi. Tu mets rien de ta vie personnelle comparé à Insta, comparé à Ouais, c'est vrai. Snap, on peut savoir des trucs de toi, quoi. D'ailleurs, Insta, qui est aussi, du coup, l'un des réseaux sociaux le plus utilisé. L'un des réseaux sociaux, pardon. L'un des plus utilisés. Et qui, au tout début, j'ai vu une image il n'y a pas longtemps du tout début d'Instagram. Oh, C'est violent, hein. l'application était horrible, frère. Le petit appareil photo, le petit appareil photo Ah ouais, encore vraiment. joli, ouais. Ça avait l'air de piquer les yeux Avec de fou. la petite barre bleue en dessous là pour te dire sur quel onglet t'étais. Et Instagram, par contre, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je trouve, c'est presque le réseau social le moins cancer. Parce qu'en fait, c'est pas comme sur Facebook ou Twitter où tu peux voir des mecs que tu connais pas passer. En fait, Instagram, si tu suis pas le gars, tu vas pas le voir en fait. Et Instagram, si tu vas le follow, c'est que vraiment t'as envie de le suivre, parce que tu dois rechercher son nom et tout. C'est pas comme Twitter où le mec peut tomber au pif sur ta TL. Je sais pas si vous êtes ça sur Twitter, mais en ce moment, il te propose des tweets de mecs par rapport au sujet que tu suis. Par exemple, moi sport, il me propose des mecs qui tweetent sur le foot, alors que ces gars-là, c'est un mec de Nîmes, j'ai pas envie d'avoir des actus sur le Nîmes Olympique, tu vois. Et pourtant je l'ai. Je vois, Et sur certains trucs, c'est cool. Mais bon, voilà, ils ont mis des trucs contre le harcèlement Twitter il n'y a pas longtemps. Alors, je sais plus c'est quoi. m'étonne vu toutes les polémiques de harcèlement qu'il y a eu sur Twitter. Ah, c'est terrible Twitter. Hein. En fait, les C'est polémiques grave, mais explosent de c'est. là-bas. Parce que le problème de Twitter, c'est que les gars, ils vont retweet ton truc et le citer pour faire du like et du retweet lui. Et le problème, c'est que s'ils vont voir qu'un gars a fait un cité qui a bien marché en disant. Ah, tes grosses joues, je sais pas quoi, c'est un exemple. Et bah, il va refaire exactement le même tweet en changeant deux mots pour lui aussi aller chercher de la fame. Et en fait, sur Une ça, chaîne, tu vas hein. te retrouver à avoir un tweet qui a 500 cités qui disent le même truc. Genre, Bah c'est une chaîne c'est. en fait, Ouais, tout c'est terrible. simplement. C'est terrible. Là, on a un voyageur qui dit Reddit est pareil que Twitter. Alors, moi, je vais pas sur Reddit parce que vous êtes sur Reddit, Ah, vous? Reddit, Je suis pas sur Reddit, Reddit, donc. j'ai connu Reddit, c'est vrai que c'est Ouais. assez brosson aussi. Ouais. Non, ouais, Reddit, après, il y a des trucs noirs, mais c'est Il fait vraiment pareil, noir, hein, c'est c'est vrai. vraiment, faut chercher, il y a des trucs, des Après fois, c'est voilà, il y noir. a, après, voilà, y a des communautés, je sais qu'il y a des youtubeurs FR qui ont créé des Reddit justement pour leur communauté, etc. Ouais, ok. En fait, tu peux partager, t'as pas une limite de caractère, tu peux partager des photos plus facilement sur Reddit. T'as plusieurs youtubeurs FR qui sont dessus maintenant. Et par exemple, bah, une fois par mois, ils regardent un peu ce qui se passe sur le Reddit de la communauté et tout ça, quoi. Ok, et là on a Voyageur Twitch Mais. qui nous dit Insta, il y a du cancer, tapez le nom d'une ville, vous verrez toutes les péripatéticiennes qui y officent. Ouais, Alors, si, ça, alors ça, oui. je veux faire Ça, un coup de gueule sur j'étais avec Raph. Instagram. Les fake comptes russes, je n'en peux plus! Toutes les demandes Et de moi. fake comptes russes et les groupes frères, je n'en Oh, peux ça, plus! c'est. Ouais. C'est terrible! J'ai Mais encore tu des sais que moi, demandes là. comment j'ai passé à ça, moi? Moi, j'ai plus de comptes russes qui m'envoient de messages. Hein. Moi, ouais. Pourtant, je bloque tous les comptes. Moi aussi, à J'en chaque bloque fois, un. Il y a ils les comptes qu'ils reviennent, peuvent ils reviennent, créer. ils reviennent. Ah, ils sont Moi, déter. dis-toi, mon compte, du coup, il est en pro. Du coup, tu vois, les messages, ils sont en haut, là. Ouais. Et ensuite, moi, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé. En fait, tu vois, il y a des comptes. En fait, souvent, le même compte qui va à chaque fois créer des groupes, mais avec différentes personnes. Mais Juste justement. trouver le compte, bah, si tu le bloques, après, t'en auras presque Et plus. après, t'as l'option aussi de bloquer les autres comptes qui peuvent créer. Ça, c'est bien d'ailleurs Voilà. qu'Instagram ait rajouté ça, parce que des fois, frère, il y a des mecs, tu les bloques, ils reviennent avec des faux comptes et tout, c'est terrible, hein. Ouais, c'est incroyable. Parce que les réseaux sociaux essayent de lutter contre tout ce qui est harcèlement et tout, mais en vrai, c'est super dur sur les réseaux, quoi. Parce que, en fait, pour que ils gèrent ça parfaitement, faudrait faire du cas par cas, et sur les réseaux sociaux, c'est impossible
que les mecs qui gèrent ça fassent du cas par cas, même s'ils engageaient des milliers de gars, qu'il y a déjà des bots qui s'en occupent, c'est impossible de faire du cas par cas. Pourtant, ce serait la meilleure solution contre le harcèlement, mais bon, C'est clair. C'est comme ça. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est une vraie plaie. Bah oui, mais c'est ça le truc, c'est que en fait, ça, même s'ils prennent des mesures, généralement, c'est des mesures générales qu'ils prennent, parce que le cas par cas, c'est impossible, et pourtant, c'est la meilleure solution. Et puis même quand tu regardes, c'est que si tu es sur les réseaux, c'est que tu es prêt à exposer ta vie privée, c'est, donc tu t'attends. Aussi. C'est simple, c'est ce qu'on avait dit il y a longtemps, c'est que si tu mets un truc sur Internet, il y reste pour toute ta vie, pour toujours. Ouais, c'est voilà. Clair. Et donc, du coup, si par exemple, tu veux passer un entretien d'embauche et qu'il regarde ton Facebook, et que tiens, t'as des images compromettantes, t'es baisé. Alors ça, d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, des fois sur Twitter, il y a des stars et tout, ou même des fois des youtubeurs où t'as des connards, parce que c'est vraiment ça, ils ont pas de vie, ils remontent tout jusqu'à 2013, 2012, ouais. Pour trouver des mots-clés, frère, c'était il y a 10 ans, ou sur Twitter, il y a des blagues qui passaient sur Twitter il y a 10 ans, parce que maintenant, sur Twitter, c'est très bien qu'on puisse plus faire des blagues vraiment très hardcore et tout. C'était pas arrivé au mec de The Voice, là ? C'est arrivé à des artistes comme Nino. Nino, lui, il avait j'ai vu des dingueries. Et ça, c'est terrible. Et moi, presque des fois, je me dis, le mec qui a fait la blague il y a 10 ans, moi, c'était il y a 10 ans, enfin, j'en veux pas. Moi, vraiment, c'est le mec qui a recherché ça. J'ai envie de l'insulter. Pourquoi tu fais ça ? Mec, t'as... Mais tout dépend de ta vie. Il y a des trucs qui se disent pas, même il y a 10 ans. Il y a des trucs qui se disent pas, mais par exemple, une blague où tu utilises le N-word, il y a 10 ans, ça passait. Sur Twitter, c'était n'importe quoi il y a 10 ans. Ça passait, maintenant tu peux plus le dire, et tant mieux. Tant mieux que tu puisses plus faire des grosses blagues comme ça sur Twitter. Mais il y a des trucs qui passaient il y a 10 ans, et le mec qui, dans la barre de recherche, met ton arrobase avec plein de mots-clés, il va mettre ton arrobase, par exemple, arrobase nobzi juif recherché, et il espère qu'il y a un tweet qui sorte. Il espère qu'il y a un tweet qui sort. Et s'il y a un tweet qui sort, il va retweet, il va citer, il va faire « Ah, regardez ce gros antisémite !» Mais c'est terrible. Et c'est ces mecs-là, vraiment, c'est des cancers de fou. Non, franchement... C'est des cancers de fou. La culture du bad buzz, c'est exactement ça. Et pourquoi le gars fait ça ? Parce qu'il sait que si c'est quelqu'un de connu, il va le faire. Parce que regardez, ça se passe jamais, ça, sur des mecs qui sont pas connus. Parce que si le mec cite ça, tout le monde va s'en foutre, ça va pas faire de retweet, ça va pas faire de like, ça va pas faire de follow. Alors que les gars connus... Après, il y a des trucs, des fois, c'est drôle. Quand ils vont remonter les comptes Twitter d'un footballeur et que tu vois Ousmane Dembélé qui vendait ses chaussures à 40 balles, ça c'est marrant. Ça c'est marrant, où il fait chaussures taille 40, 39 euros, contactez-moi en MP. C'est drôle, c'était il y a 10 ans, c'est drôle, il était tout jeune. C'est drôle, C'est comme t'avais vu, ça a été repris pour la Saint-Valentin justement, le fameux tweet de... c'est qui, Matuidi ? Ah oui. Saint-Valentin, il avait pas de photo de lui, il a tapé Blaise Matuidi femme sur Google et il l'a posté comme mais ça. Mais ça c'était fou, mais le truc c'est qu'il l'a vraiment fait quoi, c'est pas un montage du tout. Ah oui. En fait, pour Saint-Valentin de cette année, il l'a repris. Pour ceux qui ont pas la ref, en gros Matuidi, il avait fait un tweet pour souhaiter bonne Saint-Valentin à sa femme et en fait, il avait pas de photo. Il a recherché dans Google Matuidi femme, il a pris un screen, sauf que quand il a posté, on a vu qu'il avait recherché dans la barre Matuidi femme pour faire un message pour sa femme et c'était super drôle, drôle. Tu peux rebondir sur le sujet Squeezie. Oui, c'est vrai. Que du coup, en parlant des réseaux sociaux, on peut rebondir sur le sujet Squeezie Cyprien. Vous avez sûrement vu ça. Du coup, Cyprien, en gros, pour mettre un peu de contexte, a fait une FAQ où il y a eu la question Squeezie parce que ça fait 2 ans qu'ils ne sont plus apparus ensemble. Et en gros, il expliquait que ça faisait 2 ans que Squeezie l'avait enlevé de sa vie sans vraiment lui donner de raison. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Après, on ne peut pas se baser sur une seule parole, évidemment. Où il dit ça, que ça fait 2 ans qu'il l'a enlevé de sa vie, qu'il parle plus de tout ça, et du coup beaucoup de gens se sont tournés contre Squeezie en disant le gars est là, enfin que pour chercher le buzz et tout, il a plus besoin de Cyprien, du coup ils s'en est débarrassé. Déjà, il y a un truc un peu malsain dans les relations comme ça sur YouTube, c'est que quand on les voit juste en vidéo, nous on a l'impression que c'est les meilleurs potes du monde, tu vois. Mais faut savoir que derrière, ça se trouve, les mecs en vrai sont juste collègues. Pour rebondir là-dessus, c'est comme Joyka qui l'avait dit pour Mixem. Hein. Avec la Redbox. Il l'avait dit. Ouais. C'est ça, où en fait en vidéo, t'as l'impression que c'est les meilleurs potes du monde, mais que derrière ils font pas vraiment de trucs ensemble, juste ils sont là. Ouais. Et en fait, finalement, c'est un peu une amitié toxique, c'est une amitié financière en fait. Parce que Squeezie Cyprien, faut savoir qu'avant d'aller chez Webedia, ils étaient dans un groupe qui s'appelait, alors je sais plus, c'était Talent Web ou un truc du genre. Et en fait, ils avaient des parts là-dedans, ils avaient des parts de l'entreprise. Et donc Webedia a racheté justement Talent Web quand ils ont rejoint Webedia. Et les deux avaient des parts et donc ont touché plusieurs millions d'euros. Et moi, je trouve déjà que quand, en fait, dans ton amitié, si c'est pas vraiment quelqu'un d'enfance
où c'est très solide, avoir une amitié où dans celle-ci justement ça se tape à coups de millions d'euros, c'est déjà très dur parce que en fait l'argent appelle l'argent et que finalement le gars s'il va voir qu'il peut faire plus d'argent en le mettant de côté, ça peut arriver. C'est ce qu'il dit là, voyageur, quand tu laves le linge sale sur les réseaux sociaux, c'est mauvais, c'est catastrophique. Webedia est une catastrophe. C'est vrai que Webedia, depuis que les TikTokers sont arrivés à Webedia, je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Ils pètent et ils pètent tout. Hein. En fait, les TikTokers maintenant sont dans Webedia. C'est-à-dire que t'as les streamers, youtubeurs et tout. Et Webedia, comme ils ont vu que TikTok, bah, ça pétait, ils ont pris sous leur aile, enfin ils ont recruté les TikTokers. Donc maintenant, les TikTokers sont dans les bureaux de Webedia et là, ils veulent toute la nuit. Sauf qu'ils ont aucun respect, ils volent le vélo des... Ils ont volé le vélo d'un streamer, ils l'ont cassé, frère. Ah ouais ? Ouais. De... Ken Dogard, quelque chose comme ça, il s'appelle. Je sais plus. D'accord. Pourquoi il a volé un vélo ? Mais parce qu'il a pris comme ça, il faisait du vélo dans les bureaux, il l'a pété. Il faisait un TikTok ? Il était en stream, un vélo à 3000 euros, voilà. Et en plus, c'est un streamer qui a plus de la trentaine, hein. Genre, c'est un mec qui est là depuis longtemps. Il était déjà là sur... Ah, le vélo d'un daron ! Non. Ouais, ouais, mais si. Parce que le gars, ça fait super longtemps qu'il est au Webedia, il était avant chez jeuxvideo.com et tout. Mais après, il a fait exprès ou il a un autre jeu qu'il s'est tapé un mur ? Non, mais il a fait exprès, c'est-à-dire qu'il est parti prendre les affaires du gars qui était rangé dans les bureaux de Webedia pour live TikTok avec, alors que c'est pas lui. Le mec est dans les bureaux de Webedia, il prend tout ce qu'il y a dans les bureaux de Webedia pour faire n'impe avec. Ah bah les couilles. Bogard, oui, voilà, Bogard, le streamer Bogard. Bogard est un ancien, ouais, c'est ça. Et il a la JVTV, il me semble, la Millennium TV aussi, il est déjà passé dessus. Le stream, il est sur le stream. Donc, non, c'est un mec hyper important steaks, là-bas et les TikTokers n'ont rien à foutre, c'est terrible. C'est incroyable. Après, pour revenir sur l'histoire Cyprien Squeezie, oui, moi, vas-y. Je trouve qu'on n'a pas vraiment grand chose à dire là-dessus parce qu'il l'a rendu public, mais de base, c'est parce que les gens l'ont demandé. Ça aurait pas dû. Quoi. Les gens l'ont demandé, donc forcément, il a dû donner une réponse, mais je pense que sa réponse, c'est sa réponse. Et quand j'ai vu que Squeezie a dû argumenter là-dessus parce que ça commençait à faire le buzz. Je trouve qu'ils auraient pas dû de base. Et il aurait pu en parler, simplement les gens, je trouve qu'ils n'auraient pas dû s'en mêler parce que c'est pas leurs histoires. Ils ont rien là-dedans en fait, si on le prend par là. Mais surtout que la journée où la vidéo est sortie, le soir, Squeezie était en live avec Inoxtag, il faisait des jeux d'horreur, je sais pas si vous avez vu le live d'Inoxtag. Bon, ouais, gros, j'ai vu le voilà. Et le chat, mec, quand Squeezie est arrivé, en fait, ça parlait même pas du live d'Inoxtag, c'était full. Full Cyprien, et à un moment t'as Inox qui stoppe tout et qui fait les gars, c'est pas l'endroit. Enfin, c'est. D'ailleurs, ils auraient même pas à s'en mêler. D'ailleurs, Squeezie a communiqué, il a fait un tweet communiqué. Ah, ouais, c'est ce que je disais là-dessus. En vrai, moi je trouve qu'il aurait même pas dû. Genre, ça regarde personne. Ça regarde personne. Moi je trouve ça très limite de Cyprien de l'avoir parlé. Il aurait pu dire, bon, il y aura plus de contenu ensemble et tout, mais dire Squeezie m'a enlevé de sa vie depuis 2 ans sans donner les raisons, je trouve qu'il met quand même vachement la faute sur Squeezie, quoi. Mais déjà, tu pars du principe quand même, quand il a fait son FAQ, quand tu fais une FAQ, tu vois, c'est normal. Tu choisis les questions. Il y a quand même des milliers de gens qui posent des questions, il a quand même sélectionné cette question, quoi. Oui, parce que bon, il aurait pu vesqui et faire genre, ah, j'ai pas vu. Parce qu'il y a pas quand même 40 000 personnes qui lui ont demandé, enfin, peut-être, mais il aurait pu quand même esquiver, quoi. Bah peut-être, voilà, mais regarde, que demain dans Redbox, le chat, quelqu'un il dit un truc. La Redbox s'est terminée il y a quoi ? Il y a plus de 2 ans. Amixem, on a parlé que très récemment de ce qui s'était passé. Où en gros, oui. Il a expliqué que. Déjà, il a trouvé que pour lui, la Redbox avait été un échec. Parce que, en fait, il voulait que ça dure très longtemps et ça n'a pas été le cas. Et qu'en fait, la Redbox, il a été chercher des gars. Et qu'ils s'entendaient bien avec. Mais c'était pas des super potes en fait. Juste, c'était du fit and fun tout le temps. Quand ça se parlait, c'était tiens, viens faire une vidéo, et jamais ils avaient de trucs derrière. Ouais, personnel quoi. En fait, c'était pas des amis, c'était des collègues. Voilà. Et c'est ça aussi la limite, c'est que les gens vont les voir comme des amis, sauf qu'en vrai, c'est des collègues. Et t'as plein de trucs comme ça. En fait, Mixtem et la Redbox, ça se voyait quand même qu'ils étaient que collègues. Même actuellement, quand il fait même les autres vidéos, tu vois. Enfin, il dit d'abord que c'est patron, il les paye et tout. Bah, il les paye. Tu vois quand même, mais bon. Mais t'as beaucoup de gens qui s'imaginent ça en fait. Regarde, j'ai pris un Squeezie pendant longtemps. Ouais. Une chaîne YouTube, c'est avant tout d'abord des vidéos, mais aussi une entreprise derrière. Oui, c'est un business. Hein. Oui, oui. La Redbox est une entreprise. Il a expliqué, c'est que maintenant, la Redbox, t'as 30 monteurs là-bas. T'as des mecs qui travaillent à la Redbox. Tu peux très bien faire un boulot, t'entendre super bien avec les gens, mais du coup, le montrer que tu t'entends bien avec les gens, mais en dehors, ça reste que des collègues en soi. Tu t'entends bien avec tes collègues, c'est tout. Internet va venir donner une image de très forte amitié entre les deux. Alors, regarde, on prend un taf.
qui est pas médiatisé du tout. Tu travailles dans les bureaux, tu t'entends super bien avec tes collègues, et d'un coup, tu leur parles plus parce que tu changes de travail. C'est un peu comme quand tu changes de contenu sur YouTube, du coup, t'es plus avec eux. Et bah, y a personne qui va venir te dire pourquoi t'es plus avec lui? Bah, non, bah c'est oui, juste que j'ai changé de contenu. Normal. J'ai changé de boulot, et puis voilà, quoi. Ouais, voilà. C'est normal. Mais après, parce on comprend les gens. Imaginons que demain tu oui, perces et c'est Radio compréhensible Bistro aussi. ça perce. On n'est que nous trois et d'un coup Zer qui disparaît ou moi je disparais. Oui, Les gens se demanderont, tu évidemment. vois, Mais pourquoi, c'est aussi comment. ça le risque d'être autant médiatisé. C'est pour ça que, en gros, les gens posaient les questions, parce que ça faisait 2 ans qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais finalement, Cyprien, jamais il doit dire ça dans une FAQ, parce que derrière, en fait, Non, ça alimente il a la rumeur. merdé. Ça alimente la rumeur. Ça ne les concerne que. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de s'en mêler, que ça ne les concerne que Ouais, eux mais deux. il a merdé quand même. Tu sais que c'est un truc qui se dit pas quand même. Genre, Oui, voilà, répondre à cette peut-être. question, et en plus répondre comme ça. Après Tu vois, il aussi, aurait pu voilà, dire juste, peut-être on fait que. juste plus de vidéos Ouais, c'est la ensemble méthode et. avec laquelle il a répondu qui met quand même vachement la faute sur Squeezie. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a communiqué et qu'il s'est senti obligé de communiquer. Là, il y a Voyageur qui dit, les réseaux sociaux, c'est des outils qui donnent à des personnes lambda le pouvoir d'entrer dans ta vie privée alors qu'ils n'ont rien à faire dedans. C'est vrai aussi. Bah, c'est exactement ça. Hein. C'est en fait le à partir du moment où tu rentres dans un réseau social, que ça soit Instagram, même si c'est Instagram où t'as juste les mecs de ta classe dedans, tu vas mettre des stories, le mec rentre dans ta vie privée. Et à partir Bah, du c'est ça, moment où tu fais du contenu sur Internet, tu leur donnes la possibilité de venir rentrer dans ta vie privée. bah, en fait, c'est Et ça, c'est c'est ce qui se passe. que les réseaux sociaux, c'est comme si tu donnais la clé de chez toi à quelqu'un, quoi. C'est ça? Et puis il peut venir dans ta vie privée comme il C'est veut, et ça, c'est puis ça. il peut faire ce qu'il veut. Après, tout dépend comment tu gères tes réseaux. Oui, Oui, après oui, aussi, oui. je sais que bah, Moi, je je sais pense que. que quand tu regardes Insta, tu vois rien, quoi. Enfin, Après, les deux ils sont séparés parce que quand tu regardes bien les contenus de Squeezie, Cyprien sont plus du tout les mêmes. Mais c'est Maintenant, ça Cyprien aussi, c'est plus la il est même plus chose du côté tout. cinéma, plus côté cinéma avec ses courts-métrages, ses longs-métrages, etc. Bah en fait, la Parce grande qu'il époque avait parlé de ce Cyprien court-métrage. Squeezie, c'était Bah, Cyprien c'était Gaming, Cyprien où Gaming. ils ont eu les deux ensemble. D'ailleurs, la chaîne vraiment full sponsor, parce qu'il faut savoir que toutes les vidéos là-bas étaient sponsorisées. Bah, bien sûr. Et qu'à chaque fois Mais qu'ils il faisaient un l'avait jeu, dit. c'était sponsor. Ouais, ils l'ont dit. C'est d'ailleurs Ils l'ont Squeezie dit. qui Quand l'a dit, j'étais hein. petit peu, je C'est kiffais. Squeezie qui Mais l'a quand dit, ça j'étais petit d'ailleurs. peu, je kiffais. Bah oui, mais en même temps, ça se voyait aussi, tous les costumes et tout ça qu'ils mettaient en place juste pour une vidéo, même sur un jeu Ouais, nul. c'est ça. Et ça a été ça la grande époque. Après, ils ont totalement changé de contenu. T'as Mais ils Squeezie, sont il est passés. parti vraiment dans un moment plus le React, tout ça. Maintenant, il fait des gros projets et tout. Et t'as Cyprien qui est parti de l'autre côté, où lui Bah, il l'a maintenant, dit dans c'était sa vidéo, ils veulent cinéma et faire un long film. métrage. Hein. Ils veulent faire un long C'était quoi métrage Bigorneau maintenant. et Coquillage? En gros, il y a eu Bigorneau Cyprien Coquillage. Gaming. Et la Cyprien même. Gaming s'est arrêté et ils ont repris ensemble Bigorneau et Coquillage. Mais c'était un peu le même Bah, concept où c'était genre ils faisaient des c'était jeux de de toute façon, société et tout, c'est quoi. simple, c'est que c'était sur la même chaîne. Quand tu vas sur Ouais. Bigorneau Coquillage, tu retrouves les vidéos Cyprien Gaming, donc En c'était la même gros, chaîne. c'était ça C'est juste le nom qui a changé. et c'est parce qu'ils ont plus sorti de vidéos là-bas justement que les gens se sont demandé pourquoi ils apparaissaient plus ensemble. Parce que en vrai, à part ces chaînes où ils étaient tous les deux, il y avait quand même très peu de feats sur les chaînes respectives. Il y avait un peu chez Squeezie, mais tu regardes Cyprien, il n'y a jamais eu de vidéo où je crois où il était en feat avec Ah, Squeezie maintenant, sur sa si. chaîne. Maintenant, Ah bah non, presque pas. ils font. Maintenant, Cyprien, il fait pas mal de feats avec son truc sur Twitch, là, de ce que j'avais vu. Ouais, C'est 300 000 vues, l'émission 300 000 vues, ouais. son émission, ouais. Ouais, j'ai vu Quand tu ça. vois, maintenant, Squeezie, il fait C'est des. quoi? C'était Bigorneau et Coquillage, la Il est chaîne. toujours avec du monde, hein, rien de mal. Bah, Il est toujours normalement, avec elle est toujours en ligne, la Bastonline. chaîne, en plus. Ouais, toujours en ligne. Gotaga, tout ça, il fait des trucs avec Bah, plein de monde c'est ça, il a maintenant. totalement... En fait, Squeezie, déjà, il a diversifié son contenu. Et il s'est aussi Et lancé sur Twitch, comme beaucoup de gens. Et sauf que il a évolué, hein. Tout le sur monde Twitch, évolue avec le ouais, temps. en fait, juste ce qui est bien, c'est que il fait ce qu'il a envie de faire, le gaming qu'il faisait déjà avant, mais qui ne sort plus sur sa chaîne, parce que sur sa chaîne, il préfère d'autres contenus. Et Twitch lui permet de faire ce contenu-là. Et du coup, Ouais, le gaming, quoi. il a changé de fréquentation. Maintenant, c'est plus Locklear, Gotaga, Dwagby, Inox, Michou, les trucs comme ça. C'est Et pour ça qu'il bon. a sa seconde chaîne, hein, Squeezie Gaming, Oui, bah oui, pour toutes les justement. Où, VOD, pour toutes ouais. les VOD de ses streams. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que. Enfin, moi j'aime beaucoup regarder Squeezie Gaming. Enfin, Ah, moi je aussi. regarde plus en stream que le Squeezie Je Gaming. regarde plus en VOD Mais. Et parce moi, tu que vois, les je streams, regarde je les moins regarde pas Squeezie les beaucoup les vidéos, tu streams. vois. Les vidéos classiques sur sa chaîne principale, je regarde beaucoup moins. Ah, si, moi je Ça regarde quand m'intéresse. même parce que Non, c'est parce que toujours je intéressant. trouve il a fait un tour. Enfin, je trouve il a quand même fait le tour déjà des threads et tout. Il a trop fait, tu vois. Ouais, mais après, c'est un Il a concept qui mangé marche trop. bien et qui rapporte, C'est donc ça. forcément, tant Ça qu'un marche concept bien, qui il y aura marche toujours des bien. gens pour l'aimer. Mais je trouve Regarde. ça Si on le marche prend bien. par là, si on Les le threads prend en par là, mangent et trop. attention, ce n'est loin d'être une critique, Alan, il a fait le tour un peu avec tous ses tutos PO, et ils C'est ont vrai que continué le tuto PO. avec les. Mais. Avec, voilà, ce n'est pas une critique, attention. L'histoire des Mais. tutos PO, c'est que à chaque fois, tu vois, c'est des tutos déjà. Les tutos, Oui, ça c'est aidera des toujours tutos. des Mais gens, un c'est quelque tuto, c'est chose un qui tuto évolue. en soi. Genre, tu fais un tuto une fois,
Après, tant qu'il n'y a pas de mise à jour, le tuto il restera valable. Donc pas besoin après d'en faire, tu vois, par exemple 15 000 derrière pour montrer genre juste à chaque fois une autre solution, ou alors tu fais tout dans une grosse vidéo condensée. Pas besoin de faire 15 000 tutos PO de 2 minutes par Ah exemple mais pour te dire. tu vois déjà moi je prends l'exemple aussi à un moment sur Après voilà, Fortnite, il y avait des ce n'est trucs pas une glitch. critique parce que je les regarde ces tutos PO, donc bon, Il ne joue même pas à WoW. je joue pas à WoW, mais Mais je si un regarde ces jour tutos tu PO viens, quand tu même. sauras faire des PO. Le jour où tu m'achèteras le premier abonnement WoW, je viendrai, gros, t'inquiète Let's pas. go! Faites des dons pour payer Zerk. Et tu vois, moi je prends l'exemple sur d'autres jeux, il y a eu des tutos, mais des milliers de tutos. Genre par exemple sur Valorant, tu pourrais te faire des centaines de tutos. Et ça aidera toujours des gens, tu vois. Mais D'ailleurs, des tutos différents, mais qui reviendront au même, quoi. si quelqu'un dans le chat sait comment configurer un disque dur externe pour qu'il fonctionne tout le temps et pas qu'il se déconnecte au bout d'un certain temps, je suis preneur Sur parce un que bon. PC portable. Sur un PC Ouais. portable, évidemment. À préciser parce que les moyens ne sont pas là. Bah les Parce moyens que. sont là, mais. Ben voilà, il y a tellement de tutos PO Les sur moyens WoW, sont les là, tutos changent mais. d'une semaine à l'autre. C'est ça. Voilà, La ça, flemme est les présente tutos aussi. seraient jamais dans le Ouais, temps. voilà. À part Je certains pourrais tutos, je pourrais vraiment en faire pro. 300. Hein, c'était... En fait, sur Squeezie, Ouais. on a l'impression qu'il force dessus parce qu'en fait, Squeezie nous a toujours habitués à se réinventer très souvent. Genre, souvent, tu sais, ce qu'il fait, c'est que il parle en sa chaîne en saison et généralement avant l'été, il dit voilà, c'est la fin de saison et tout l'été, il ne sort pas de vidéo. Et il revient en septembre où c'est la rentrée. Et il nous a Mais tu vois, toujours moi. habitués à venir avec un nouveau contenu. Et là, ça doit faire Ouais. deux ou trois saisons, comme il appelle ça, où c'est un peu le même truc qui revient, mais à côté, il Après, fait voilà, des super contextes, il fait des trucs, il ouais. fait des bêtes de concept. Par exemple, pour l'été, il avait fait faire ses musiques en 3 jours. C'est ça, et là, il y a Il pas avait fait longtemps, des là, bêtes avec de Ghost ouais, la Gaga et vidéo tout, où ils la vidéo des testent, ouais, ils peurs, testent leur peur, ouais. qui vient juste... Toi, Je ça, l'ai moi, j'ai regardé bien hier, kiffé. incroyable. Je l'ai C'est une regardé tout à vidéo l'heure, que... moi. Ça, je kiffe. Je suis en retard. Mais par contre, ces vidéos sur les... Sur les threads d'horreur et tout, ça, moi je trouve j'en ai trop mangé, tu vois. Après voilà, il y a J'en ceux ai qui aiment et ceux beaucoup qui aiment moins mangé. le concept, bien évidemment. Le truc, c'est Moi je que. sais que Pourtant, à un c'est. moment, je kiffais, je les séchais tous. Et Moi je je sais sais que ces qu'un jour je vais les threads d'horreur, il peut sécher. continuer à en faire, Et je vais quand même là. les regarder, parce C'est que c'est ça. des histoires qui te racontent, tu sais, genre tu regardes ça chill tranquillement, tu te fais pas chier, Ah, mais tu je te prends pense que pas tu la regardes tête, et aussi parce que puis. c'est Squeezie. C'est comment il le raconte, ces Non, histoires-là, après, tu ouais, vois. après aussi il le raconte bien aussi, Si mais si quelqu'un on compare d'autre le fait, là. ce sera pas pareil, tu vois. Regarde, si tu regardes Feldup, je t'en parlais la dernière fois, il fait des bêtes d'histoire lui aussi, hein. Mais je Il fait pense que des c'est la bêtes personne, comment elle raconte, comment d'histoire, c'est et pourtant, monté. bah, je le regarde pas. Après Ce Squeezie, serait il que. fait beaucoup d'offres thread horror parce qu'il y a énormément de demandes. Quand tu vois qu'il Bah. n'en sort pas pendant un mois et sous toutes ses vidéos sur Twitter, ça le arrobase pour avoir du thread horror, tu te doutes que Bah. le mec va en faire parce que derrière, bah, il y a quand même une entreprise à faire tourner. Enfin, ça, je C'est pense là que c'est les goûts de chacun, quoi. que, et c'est là que la fameuse réplique du loup de Wall Street prend son sens, Vas-y. l'offre et la demande. Ah, alors ça. Là, t'as rêve du film. Moi, c'est mes cours d'SES, hein, vraiment. J'observe ça Moi, avec c'est des la rêve du courbes et tout, frère. Oh, Moi, c'est horrible. c'est la rêve du film, hein, l'offre et la Ah, demande, moi tout aussi, j'ai plus la simplement. rêve du film avec le stylo, là. Avec le stylo. Mais Ah ouais, ouais, oui, je l'ai aussi. c'est une bête de Mais référence. Mais de base, ça adapté en d'une plus, histoire vraie, ce qu'il ça raconte dedans. est super vrai, hein, dans le film. Ah oui, bah en plus, ce qui est bien, c'est que j'avais regardé une vidéo, c'est que quand tu te rends compte que le film il a fait un carton national, international au box-office, et que le vrai personnage qui était cité dans le film, il a demandé 300 millions parce qu'ils ont parlé de lui, tu te rends compte que le monde part en couille parce que le mec il s'est fait faire du coup une pub monstre pour toutes les conneries qu'il a fait, alors que maintenant il fait quoi? C'est ça. Il écrit des bouquins. Il est devenu conférencier, il fait des bouquins. Justement, un exemple sur l'offre et la demande, mais juste avant, il y a Voyageur Twitch qui dit, pour ton disque dur, il faut Ah. juste que tu donnes la priorité dans ton BIOS sur le disque dur externe. Alors le BIOS est Laisse un dans endroit le BIOS. que Alors, j'ai horreur d'aller dans le BIOS. j'appelle ça l'endroit du démon, personnellement. Exactement, Let's c'est l'endroit go. du démon, Parce le que, en BIOS. fait, je vais expliquer mon problème. C'est que moi, j'ai pas énormément de stockage sur le PC, malheureusement. Et en fait, j'ai un disque dur qui, lui, a plus de stockage. Et j'avais essayé d'installer un jeu dessus. Ça, c'était bien fait et tout ça. Le problème, c'est que, par exemple, j'avais joué au jeu. Et le jeu, s'était coupé. Et en fait, quand je regardais dans mes disques durs, mon disque dur externe, justement, il s'était bah, volatilisé. Pourtant, il était toujours branché. Mais le PC ne le reconnaissait plus, en fait. Comme si ça faisait genre, je dis une bêtise, mais une demi-heure que le PC il n'a pas touché au disque dur, et bah du coup le disque dur il s'est senti un peu oublié, donc il s'est déconnecté tout seul. Pourtant il était encore branché. C'est mon problème actuellement. Moi je me souviens de Zerk à un moment avant d'acheter son PC, il a fait ah PC fixe ou PC portable. On était là Zerk, PC fixe, PC fixe. Et moi, la seule excuse que j'ai dit, mais c'est pour le travail. J'ai jamais travaillé avec. Il a jamais travaillé avec. En vrai, C'est l'erreur. t'as fait une sacrée. T'as merdé quand même. Hein. J'ai fait une sacrée Merdé, erreur, mais t'as t'as vu fait le une PC que je t'ai sacrée erreur. envoyé? Le Oui, PC que je t'ai envoyé. et en fait il est bien parce que t'as un prix bon qui reste cher, mais t'as une carte graphique dedans. Bah, j'ai une bonne carte graphique déjà dedans. Parce que Oui. 3060, c'est pas mal déjà, je pense. Bah 3060, C'est oui. 3060, 16 Go de RAM. Après la RAM, ça se change facilement.
Après 1500 balles, honnêtement, c'est pas si excessif que ça, j'ai envie de te Bah, dire. sachant les pénuries, les prix des cartes et tout, avoir tout pour Parce qu'en 1500, fait, sachant c'est que ça, c'est que certaines le prix cartes du coûtent PC. 1500. Parce que justement, le prix du PC coûte le prix d'une carte graphique actuellement. Il te demande Donc si c'est pour ton ça que je PC me dis que. portable c'est un Asus ROG. Alors non, c'est pas un ROG, c'est un TUF. TUF. Asus Je sais pas TUF. ce que. Asus TUF Un Gaming, TUF, ouais, ce qu'il un paraît. TUF. J'ai regardé. Un TUF? Ouais, TUF. Et du coup, voilà, genre, j'ai cru, ouais, 480 gigas de stockage. C'est pour ça que, genre, là, j'ai Lost Ark. Malheureusement, si je veux, par exemple, DL WoW pour jouer avec, avec Allrun, bah, je suis obligé de désinstaller Lost Ark. Et ainsi de suite. C'est pour ça que, grave, par exemple, j'ai désinstallé CS. Tu vas m'en vouloir, mais j'ai désinstallé CS. Non, bah oui, Parce bah même moi je qu'il me dois faut. Est-ce désinstaller que des trucs des j'ai besoin fois. de stockage. Et en fait, je. Bah, justement, je peux changer de DD. Le problème, c'est que, justement, j'ai été voir un informaticien. Il a regardé le PC. Et il m'a dit, vaut mieux l'envoyer directement en garantie. Bah pas en garantie, mais chez Asus. Parce que celui-là que j'ai, il l'a regardé et il m'a dit, bah faut tout démonter en fait, si je veux. Si j'ai voulu le démonter, j'ai enlevé le couvercle à l'arrière. Le problème, c'est qu'il y avait un autre truc. Et il m'a dit, bah pour tout enlever, en fait, faut démonter le PC de A, de tout, faut tout enlever en fait. Et disons que je n'ai pas vraiment les outils, ni le temps. Bah j'ai le temps, je l'ai, mais la flemme est présente. Et puis si je fais une connerie là-dedans, bah je me retrouve sans PC, sans rien. Donc C'est je me clair. dis autant que celui-là je le garde autant que je peux. J'investis dans un Est-ce gros que PC Zerk, et puis tu pourrais oui. nous raconter l'anecdote qui t'est arrivée avec Leclerc? Bien Justement. évidemment, bien évidemment. Bah, ça Vas-y, dépend si tu veux raconte-nous. directement, si tu veux directement passer aux Alors, anecdotes juste des armes avant que avant tu de nous faire la racontes, transition. avant que tu nous racontes cette anecdote, j'ai un Non, moi compte. j'aimerais bien. J'ai un compte TikTok très sombre Ah. à vous faire découvrir. Très très Oula. sombre. Alors, Que je attention, connais. Que je je ne connais. vais pas le montrer sur le stream. Ok, je vais vous donner le nom. Si vous voulez aller le voir, ça n'engage que vous. Je me dédouane. Donc, c'est un compte TikTok. Je vais me balader dans mes pourtois et tout. Et là, je vois un mec qui fait. A mis le arrobas du truc. Et il fait: oh, ma curiosité va finir par me tuer. Donc, je vous invite à. Vous pouvez pas prendre vos TikTok du coup. Ben non, nous venons. Zerk, vous pouvez aller sur Après, TikTok par Google. après, par Google, d'accord. C'est ce que je vais faire. Donc, TikTok. allez sur Moi, j'ai TikTok. déjà vu, ça sert à rien que j'y aille, N'y retourne mais. pas. Bah, Mais attends, on moi, veut je vais voir la réaction de découvrir. Zerk. Alors. Moi, je vais découvrir. Alors, rechercher des comptes. Dis-moi. Oh, attends, attends 30 secondes, parce que j'ai le son C'est pas beau à voir, on va dire. qui me Ça foudroie les oreilles. spéciale. Voilà. Dis-moi le nom du compte, Allrun, que je mette. Alors. C'est point. Point. Du coup, ça commence par un point Ça déjà. commence par un point. Ok. Your, YOUR. Bunny? Bunny. J'ai juste tapé point, ça me l'a mis en premier. 1390 abonnés et 2 vidéos. Je t'invite à regarder les vidéos. Non, moi je vois aucune vidéo, cet utilisateur. Attends, peut-être parce que je suis peut-être pas tombé sur le bon. Celui-là, je Your suis à Bunny. 1000. Bah ouais. Mais il 1390 abonnés, 2 vidéos. y a une PP dessus ou il n'y a pas de PP Il n'y dessus? a pas de PP. Bah, je suis sur ce compte-là, il y a marqué 0 abonnement, 124 000 abonnés, 320 000 j'aime, mais aucun contenu. Je vais aller essayer de voir. Attends. Donc je me suis peut-être trompé de compte, hein. Après il est possible, parce que le point, il n'y en a qu'un avec un point, sinon il y en a un autre, mais sans le point. Je vais. Donc à toi de me dire. Je vous l'écris dans le chat. Ouais, ouais, Ok. ouais. Ouais, il n'y a aucune vidéo. Donc. Un petit coup convité, j'y retourne. Oh, bon courage. Bon courage, papa. Bon courage. Il est au Bonne travail. chance, bonne Il est au chance. travail. Bon courage. Gardez-moi des trucs à manger. J'ai faim. Zerk, il va faire Je crois que le compte est. 700 km! Je crois que le compte a été supprimé, Alan. Ah, le compte a été supprimé? Ok, bah, je vais vous parler de ce que c'était. Alors, c'était un compte, elle a 1412 abonnés. Après, il faut peut-être avoir un compte pour pouvoir voir, faut peut-être être connecté parce que c'est des vidéos où ils te disent contenu sensible. Et tu dois. Ah. Ah, Ah, je vois la vidéo, j'ai Lisa, la elle vidéo, voit. j'ai la Je vidéo. pense qu'il Elle a faut. 1400. Bah alors Ouais, c'est quoi le. 1423. Bah, moi je suis à. Ok. Elle a un compte fan aussi, d'ailleurs, je me montre Ah, qu'elle a un compte fan. s'ils veulent, je peux essayer de leur montrer comme ça. Bah attends, 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 je vais Non, essayer non, de me c'est pas. connecter. Je préfère pas montrer. Montre pas, montre pas. Ok, Montre ok, pas. ok. Alors est-ce qu'on peut juste me dire mon nom via Discord en privé, bien évidemment. Le nom de mon TikTok parce que j'ai oublié et que je peux pas utiliser mon téléphone. C'est Your Bunny. Merci d'être passé, voyageur Twitch. Bonne soirée à toi. Et n'hésite pas à follow pour savoir les prochaines émissions. Et bah, bonne soirée à toi, mon frérot. Oh mais attends, parce qu'en fait le problème c'est qu'il faut que je trouve mon compte. C'est pas gay, hein.
C'est pagaie, c'est-à-dire pagaie la rame. En revenant sur Paguet, après j'aimerais bien qu'on parle Oui, on va en de parler. Monsieur dans l'église. On va en parler de monsieur dans l'église. Alors attends, je termine de me connecter à TikTok. Mot de passe un compte au mot de passe incorrect. Génial. Au pire, sinon t'as pas besoin de voir, tu iras voir après, mais. Attends, ça me turlupine cette histoire. Comment c'est impossible de... Oh, genre j'ai pas réussi le captcha. Bon. Je n'arrive pas à me connecter à mon compte TikTok parce Mais que mon compte surtout que j'ai TikTok est l'impression que cassé. c'est une petite fille en fait derrière ce truc. Alors, Plus je au la pire, regarde, plus j'ai l'impression que c'est une petite ce que je fille. peux faire... C'est Ouais, non, terrible. je vais pas éteindre la caméra maintenant. Au pire, grave, si tu peux me montrer en privé peut-être ou quelque chose comme ça. Merci pour ton follow, je sais pas pourquoi la notif a pas marché. Y a pas tout qui marche, malheureusement c'est une première. Mais merci de ton follow mon frérot. C'est vrai que vaut mieux pas se montrer en stream. Ouais, je préfère C'est pas prendre de risques pas. là-dessus, hein. Il y a C'est pas Voyager tout qui me gain en dit fait, comme ouais. quoi il y va. Donc, bonne soirée à toi. Ouais, bonne soirée Je frérot. pense pas que c'est. Je pense pas que c'est grave à regarder. Enfin, montrer en stream, mais c'est juste. Bon, voilà. Si Merci vous de ton voulez follow, regarder. voyageur Twitch. Gros love sur toi. Merci Mais beaucoup bon. pour le follow pour Holren. On te remercie d'avoir follow Holren. Let's go. De suivre à du bistrot quand même, parce que c'est une première, il y a depuis le début. Ouais, c'est Ouais, sa c'est vrai. première. C'est sa C'est-à-dire première. que. Je sais pas comment il a vu, si. Peut-être Twitter, j'ai tweeté sur Twitter. Ah, je Peut-être sais qu'il a vu pas. par là. Je sais I pas. don't know. Peut-être il cherche une radio libre un jeudi soir, il n'y a personne. Possible. Ah, c'est vrai que le jeudi soir, il n'y a pas Nous grand. sommes là pour ça. On Nous est là sommes là, sur des pour horaires remédier à ce problème. pas tard. Ce Ouais, qui pas est tard, on aussi. pourrait, c'est vrai. Voilà, ça peut aider certaines personnes. Bon, parlons. Parlons du Yurbeni. compte, du coup. Ça Alors. veut quand même dire ton lapin, donc. Alors oui, Alan, je te traduisons laisse ton lapin. t'expliquer. Alors en gros, donc déjà c'est contenu sensible. Ok, donc il D'accord. faut approuver pour pouvoir voir les vidéos. Tout ça, je viens de voir les deux vidéos, c'est pas pire qu'une certaine qui faisait plus dégueu. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui font plus dégueu, mais Oui, il y a des gens qui font pire. j'ai vu ce TikTok, enfin son compte passer cette semaine, du coup je voulais en parler. En gros, Je ne peux pas voir, c'est. je ne peux pas voir, ça me dérange énormément. Je te l'enverrai après si tu veux. Mais je En peux pas, parce gros, que c'est j'ai c'est pas mon une meuf portable. sur TikTok, alors son âge je ne sais pas, peut-être pour ça que je préfère pas montrer, parce que si elle est mineure, ça me dérange un peu de mettre ça. Pense très D'accord. jeune, je pense. Je dirais entre 15 et Je pense que 18, mais. malheureusement elle est mineure, donc je préfère pas montrer. En Ok. gros, c'est une fille, on voit pas sa tête, on voit que son bas, et elle est en jogging sur ses deux vidéos dans sa salle de bain, et elle se pisse dessus. Et en fait, tu vois tout le jogging gris prendre la couleur et ça coule comme ça. Oh, oui, d'accord. Et il faut savoir aussi qu'il y a plus de goût, évidemment, j'ai vu passer un compte comme ça aussi. Le compte s'appelait Je joue avec mon caca, et c'était quelqu'un qui jouait avec sa merde. Tu l'as vu J'ai aussi? vu aussi, Tu l'as vu j'ai vu aussi. aussi. Non mais, c'est J'ai quand pas même vu. terrible. Et en fait, ce qui me rend un peu triste là-dedans, c'est que c'est certainement des mineurs qui font ça pour faire du vu et du like. Bah, en arriver C'est là pas pour du vu, certainement, c'est... c'est sûr, c'est ça. Et j'allais dire, ça me fait chier, mais ça fait une mauvaise vanne, donc je préfère pas le dire. Mais D'abord, vraiment, voilà quoi. TikTok, on peut en parler pendant des heures, mais entre les femmes qui montent C'est leur vrai que TikTok, postérieur, enfin leur forme, on va dire, voilà. Et entre les gens un peu qui jouent sur des trucs comme ça, tu vois, TikTok, j'ai l'impression que ça remplit que de ça. Je sais pas si c'est mon TikTok parce Ça te fait que. rire, Samaël, hein. Je sais Pas pas si c'est vraiment. mon TikTok parce que voilà, C'est ça me déplaît l'humour. pas, tu vois. Mais Bah, je en vois fait, beaucoup de je ça sur trouve que TikTok. TikTok, sur certaines personnes, en fait, t'en as qui font des danses autour de ça. Et quand c'est de la danse, moi, ça me dérange pas. Mais t'en as qui forcent de fou. T'en as, elle force vraiment. Genre, juste, c'est une trend où tu parles comme ça. Et la vidéo commence, elle est en train de montrer son cul comme ça. Et après, elle se tourne et fait la trend où elle parle. En fait, il y a beaucoup de personnes qui, on va dire, sexualisent son contenu pour aller soit chercher des mecs en chien, enfin, c'est sûrement ça qu'elle vise, pour juste que les mecs s'abonnent et ça fait du Oui. like, et après ça débloque la monétisation, Et tu vois, et grâce moi à j'ai ça, perdu ça un fait truc. du vu, tu vois, et voilà. Je trouve que j'ai perdu un truc avec TikTok, c'est qu'à l'époque, au tout début de TikTok, ou même à l'époque de Musical.ly, c'était beaucoup basé sur l'humour, tu vois, on pouvait répondre à la question de l'autre en faisant un truc, enfin à la vidéo de l'autre, comme tu t'en souviens, on l'avait fait avec le mec aux cheveux drôles là. Ouais, Mousse Ça à se l'œil, basait sur. ouais. Ça Un acteur se au basait quartier, sur de jeune l'humour, tu acteur au vois. quartier. C'est ça se basait sur de l'humour. Et Maintenant, pourtant, entre tu les dis à porn long... stars qui font des vidéos et Ah tout, ouais, c'est enfin. clair. Tu dis à longtemps, mais finalement, ça là, Mousta Boy, c'était le premier confinement. Et en fait, le truc, c'est qu'au premier confinement, comme tout le monde est enfermé, beaucoup de personnes se sont lancées sur les réseaux. D'ailleurs, même moi, en vrai, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment charbonner de fou. Et beaucoup de personnes se sont lancées sur TikTok à ce moment-là. Et bah, c'est là où t'as commencé à avoir vraiment les grosses dérives, quoi. Mais le Pendant roi que des rats qui a j'ai. fait une super vidéo là-dessus, hein.
Pendant qu'il y avait Moustapha Boy, nous on était en plein confinement en train de faire des Game Warzone. C'est ça. Oh, quelle époque. Mais ce qui est dérangeant, c'est que, à la limite, si des gens majeurs et tout qui sexualisent le contenu, bon, tu veux pas voir tout ça, tu passes. Mais quand c'est des mineurs qui font ça, frère, enfin. Je trouve ça. En fait, ce qui est dérangeant, c'est c'est plus que dangereux, quoi. des mineurs font ça. Des fois, je vois, je suis sur TikTok, je swipe les lives. Parce que Ouais. je sais pourquoi je swipe les lives en ce moment. En fait, je me suis dit, j'aimerais beaucoup avoir des invités dans Radio Bistrot. Et je me suis dit, des fois, t'as des gens qui live TikTok, qui animent super bien, et qui ont très peu d'abonnés et très peu de vues follow. Et je me suis dit, je vais essayer d'aller chercher ces gens-là, qu'ont peu d'abonnés, peu de vues, pour qu'ils puissent, quand ils animent bien, venir raconter des histoires. Du coup, je suis là, je swipe sur TikTok, et t'en as, elles doivent avoir quoi, 17 ans? 16 ans, 17 ans, t'as des mecs de 35 ans qui viennent commenter, frère. T'as quel âge, ton Insta, donne ton snap. Déjà, t'as 35 ans, tu dis donne ton snap. La main dans le calebar, le C'est mec, ça, et voilà. le mec a la main dans le calbar. Suis d'accord avec ça, ouais. Je vois full truc comme C'est ça. terrible. Mais après, tu vois, TikTok, je rebondis sur un message que j'avais vu. TikTok, ça devient comme Twitter, cancer. Tu vois, oui et non, parce que cancer sur Twitter, c'est des gens qui insultent, des gens qui disent des phrases. Bon, tu vois, c'est les mots, ça, tranquille. Mais là, c'est des vidéos, des gens qui font des vidéos cheloues. Parce que pas trop cancer, tu vois, la meuf, elle se pisse dessus. Bon, c'est Bah, pas cancer, c'est en juste fait, débile. cancer, mais bon, c'est dégueulasse, t'as C'est pas envie de tomber les gens dedans, qui c'est cherchent dégueu. ce contenu-là. Par exemple, on parle de ceux qui font exprès de sexualiser le contenu. C'est eux son cancer. S'ils le font exprès. Si c'est une danse, Mais il moi y a ça me des gens dérange qui pas, regardent. mais. Ouais, mais il y a des gens qui aiment ça, tu vois. Il y a des gens Oui. qui regardent quand même. Non, c'est Après, ces TikTok, personnes-là qui là on ont critique, le mais plus faut savoir que d'abonnés. TikTok, c'est aussi devenu une plateforme qui s'est aussi développée dans le bon sens. T'as beaucoup de mecs qui sont créatifs sur TikTok et qui sont vraiment très très bons dans ce qu'ils font sur TikTok. Quoi qu'il Il y en a soit dans les plein. lives, t'as jamais vu le mec qui fait de la musique au bord de l'eau avec un gros rond là, il tape dessus tu tu Si, tu. si, si, moi j'ai vu. Avec C'est son truc super rond là, avec reposant, plein de petites ouais. formes dedans. Ouais, si, Il est j'ai vu. trop chaud le mec, il fait un instrument frère, tu sais même pas c'est C'est quoi, il un est au bord instrument, je de crois que c'est l'eau. Dr. Nozman, il l'avait testé, ce crois. C'est un instrument de C'est un musique. truc de fou. C'est une espèce de. Comment dire? C'est une espèce de grand bol. En fait, t'as plein de formes à l'intérieur, de cercles en forme. En fait, quand tu tapes dessus, ça fait une sonorité différente. Et en fait, le mec, il fait de la musique avec ça, en fait. C'est vrai que Ouais, comme dit il est au Isaël, bord de l'eau, il tape comme ça, c'est super ouais, c'est reposant. super L'un chaud. des trucs cancer sur TikTok, c'est Ah ouais. les dramas qui vont commencer sur Twitter ou des réseaux comme ça, YouTube et tout. Et les mecs vont du coup faire des lives TikTok ou même des lives Insta juste pour s'insulter, se gueuler dessus. Et du coup, t'as deux communautés qui vont venir s'insulter, frère. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est la reine Ouais, de t'as déjà Rome, le vu les truc. bars là, les bars, c'est Ouais, qui ouais. pose Et le justement, pute des fois, là, t'as ouais. des mecs, ils vont. Des fois, j'ai l'impression que c'est scénarisé. Les mecs s'insultent et tout. Et en même temps, t'as les deux communautés qui s'insultent. Et ils font les trucs, des combats de cadeaux. C'est des combats de dons, en gros. Une pièce, c'est je sais plus combien. Et ils se battent comme ça. Et les communautés s'insultent entre eux et se battent à coups de dons. Et les deux mecs, des fois, t'as l'impression que c'est scénarisé parce que eux prennent full thune là-dessus pour un pseudo-drama. Et les communautés, du coup, se font vraiment niquer, quoi. Enfin. J'avais déjà vu un live comme ça, c'était pas vraiment une engueulade, tu vois, mais c'était GameX13 avec TK, je crois, ou GameX13 Je avec le quelqu'un vois d'autre. tous les soirs. GameXtras, je n'en peux plus. Le GameX13, swipe, il est frère. tout le temps là, frère. Toute J'ai la journée. l'impression, il a rien d'autre à Il faire ne que de dort faire des pas. lives. En même temps, il fait deux Il vidéos dort par pas. jour aussi, donc faut pas oublier. Ah, il fait Ouais, mais entre c'est des 2 et vidéos, il 4 prend vidéos par des jour où il prank snails. Momo. Et après, toute la nuit, il est en stream. Et toute la nuit, c'est de 18h à midi, hein. Il est en stream sur Ouais, non, TikTok, le mec est frère. chaud. Après, c'est un charbonneur, ça on peut pas arrêter. Non, mais C'est un GameXtras, pitié. charbonneur, mais. C'est un charbonneur, mais. Des fois. C'est comme quand on dit que Squeezie recycle son contenu, lui c'est pareil. Ah, Il va mais faire ça, 15 c'est pas 000 du pranks à Momo. recyclage. C'est pas recyclé, lui, hein. Lui, Non, c'est lui pas c'est qu'il. recyclé. C'est pas recyclé, lui, c'est. Lui, c'est juste Il fait terrible. que ça. Lui c'est juste de l'aberration, c'est aberrant. C'est aberrant. Comme dirait l'ami JMK. Bon. Mais après, pareil, tu vois, il y a des gens pour regarder ça, il y a des gens pour apprécier, tu vois. Moi, je Ah sais que des fois, j'ai ma période GameX13, les Ah, gars, moi je suis aussi, désolé j'ai de ma vous le dire. période. Le confinement, Des fois, là. je kiffe trop regarder. Mais je regardais ses anciennes vidéos. Ouais, tu vois. Mais moi, je kiffe trop regarder J'avoue des que fois. la période avec le bof, j'ai pas trop kiffé. Et après, j'ai Ça m'a pas tué de resuivi. rire, le bof. Moi, je regardais un Je peu m'excuse. avant. Ouais, non, le bof, j'ai bien kiffé, moi. Avec les délires de Bon, moto, le quad, j'achète un quad à Momo. Oh là, ça m'a je tué ne de veux ouf. pas casser le délire, mais il me reste 20% de batterie. Oh, c'est bah, passons au sujet suivant alors. Passons TikTok. Enfin, pas son TikTok, mais c'est quand même en rapport avec TikTok. Zerk voulait en parler. Absolument. Je pense que tout le monde veut en parler ici, parce que c'est terrible. Est-ce que vous avez vu, alors, j'ai plus son nom en tête, mais en gros,
C'est Ah quelqu'un qui fait des TikTok et sur Instagram et tout, et qui s'est fait harceler parce qu'il est homosexuel. Et en gros, il se faisait harceler pour ça, parce qu'il allait en crop top dans son lycée, il faisait des vidéos, je suis fier d'aller en crop top, il faisait des vidéos dans les cités, mec de cité en crop top dedans. Et après, il se faisait harceler, il s'est fait taper. À ce moment-là, il a eu beaucoup de soutien parce que bon, le mec se fait harceler pour ça, bon voilà. Sauf que là, il a fait un TikTok avec un de ses potes, il est parti dans une église, et il a twerké dans l'église. Mais sauf qu'il a pas twerké un pote. à l'entrée. Ouais, pote. Enfin bref. C'est que ça se tapine dans le fond, quoi, après, voilà. Il a été On va dans une pas se église, il a détailler. twerké dedans, sauf qu'il a twerké vraiment. Vous savez là où il y a le prêtre un peu où il parle là. Bah là où il y a le petit Jésus, en Là où il y a fait, le tout petit Jésus, simplement. il a twerké sur le petit Jésus, frère. Et après il a fait une vidéo Comme ça, pour c'est très drôle, quand s'expliquer. Pour s'expliquer, mais pas pour s'excuser. Pour même. donner des Ouais. arguments comme quoi il avait raison d'aller twerker sur le petit Jésus. Non, pas comme quoi il avait raison, mais comme quoi il n'avait rien fait de mal dans cette histoire. Ouais, mais enfin ça me fume que le mec vienne argumenter de. Non mais regardez, enfin. En Bah déjà, gros, t'as aucun argument twerker là-dessus, sur une quoi. religion, c'est pas grave. Pour lui, à ses yeux, C'est ça. twerker sur une religion, Ça, c'est c'est-à-dire faire un typique. truc sexuel, parce qu'en vrai, le twerk avant c'était une danse, mais maintenant quand Africaine, tu bah vois le twerk, africaine du le, côté pense asiatique. direct le twerk maintenant c'est sexualisé clairement, c'est plus juste une danse. Voilà. Donc là, le Ah mec il oui. fait un truc sexualisé dans une église, là où les gens Oui. ont des croyances, Oui, tout ouais. simplement, Et oui. pour lui ça paraît normal. Mais par contre, qu'on le tape dans la rue et qu'on l'harcèle, pour lui c'est oh mon Dieu. C'est pas Bah, normal. en fait, ce qui est Okay. terrible, c'est que là, du coup, il va forcément se prendre un harcèlement par rapport à ça. Et franchement, Mérité, et cette c'est déjà fait, fois-ci, cette clairement. fois-ci, j'ai vraiment aucun respect et aucune pitié pour lui sur ça. Et après, il va venir faire des TikTok en pleurant, où il va faire full vue, full like. Mais sur ça, il va faire full thune surtout. Il va faire full thune sur un truc qu'il a fait, que tout le monde trouve scandaleux, mais qu'en fait, comme c'est full relié et tout, c'est ça le problème aussi, c'est que c'est relié par plein de monde. Tu vois, le harcèlement, moi je trouve ça a ses limites. Il y a des gens qui se font harceler alors que c'est de l'humour, tu vois. Je prends par exemple ILM Boy. Tu sais, ceux qui chantent ILM Boy avec leur coupe bizarre là. Ouais. Island Boy. Eux, ils se sont fait harceler, mais c'était de l'humour. Ils se Ouais. prenaient pas au sérieux, En c'était de lien, quand tu l'humour. regardes que même Kevin Hart l'avait repris avec Snoop Dogg pour un autre Ouais, tu truc, vois, mais ça reste de l'humour. Les gens se font voilà. harceler, ça, je comprends pas. C'est un harcèlement. Ils se font critiquer, mais pas méchamment, tu vois. C'est parce qu'ils savent très bien que c'est des parodies de musique qu'ils font les deux, Ouais, donc tu ils vois. savent très bien que c'est de la Mais parodie. comparé au mec qui twerk sur le Mais je suis petit désolé, Jésus, lui par mais. contre il a un harcèlement, même si le harcèlement de base c'est pas mérité, tu vois. C'est pas un truc cool C'est à bien. faire, tu vois. Mais là c'est quand même. Il est bien parti loin quand même pour aller le chercher, quoi. Mais il l'a cherché, tout Et comment simplement, tu il veux l'a le cherché. protéger? Je sais Même pas, aucune tout protection. le bonheur du monde. Sans faire de mauvaises blagues, mais même Dieu peut pas le protéger, pour le coup. Mais comment tu veux faire? Mais aussi ce qui est terrible, c'est que du Pourquoi? coup c'est inadmissible ce qu'il a fait. Et juste je me dis, c'est que là en fait, le mec est juste traité comme un mec qui manque de respect. Il aurait fait ça dans. Comment ça s'appelle? Dans une En mosquée? mosquée, il aurait été traité du plus gros raciste du monde. Ah, mais de toute façon, mais dans tous les cas, que ce soit dans une église, dans une C'est mosquée, ou grave dans même tous les devant cas, c'est sûr. une mec, Mais tu vois, moi, même un truc. devant une école ou quelque chose comme ça, dans tous les cas, tu t'exhibes pas ça en public. Bah, c'est ça le Tu fais pas truc. ça en Un truc qui m'a public. vénère, tu vois, quand j'ai vu le TikTok, j'ai direct regardé les commentaires. Et Mais trois ça quarts donne. des commentaires, c'est sale gay, sale homo, tu vois. Tu Que fais des ça trucs dans. qui ont rien, mais ça a aucun rapport Oui, de tu fais matois ça dans ta de faire chambre, qui est t'es pas gay. tranquille, tu vois. Dans ta chambre, t'es tranquille, Ça ça aurait impacte été, personne. je sais pas, GameX13, ça aurait été le même problème. Non, parce que Ouais. GameX13, encore une fois, là, il y aurait eu un truc contre lui, on aurait dit sale arabe ou sale quelque chose, tu vois. C'est ça, c'est Ouais, ça. insulté. En fait, les gens, ils partent toujours, j'ai l'impression, ils dévient le truc. Oui, Genre mais là, le problème, souvent, c'est c'est pas ça. qu'il soit Non, gay, hein. souvent, les Il n'y a problèmes. aucun Bien sûr, problème qu'il oui, soit gay. là, le problème, c'est pas qu'il soit gay, il fait ce qu'il veut de sa vie, voilà. Mais le problème, c'est que là, il a, entre guillemets, souillé un lieu de culte. Parce que la religion, c'est un culte, hein. Bah, un culte, C'est c'est ça, comme et une que le secte, mec hein. soit croyant ou pas, parce que je crois qu'il dans ses arguments, il avait dit comme quoi justement il n'avait pas de croyance, oui, c'est ça. Il me semble qu'il avait dit Bah ça ouais, pour. mais Ouais, il dit c'est ça bon, sans c'est ça. changer, mais bon, Ouais, moi je respecte t'as un même le truc respect des pour autres. l'autre en fait. T'as un Moi je ne respect à crois avoir pas pour en l'autre. Dieu, je ne crois pas dans une religion. C'est pas pour autant que je vais aller danser dans une église, quoi. Enfin, je sais Bah pas, il y c'est a quand ça. même un minimum. Il y a du respect avant tout. C'est d'abord des lieux de culte, de recueillement pour les religions, et puis tu vas pas souiller en faisant des danses TikTok à la Ouais, c'est con. ça, c'est ça. Mais en fait, je pense Surtout quand tu tu. vois les églises ouvertes à tout. Ouais. Genre en mode c'est pas banni, tu vois. Et le mec il rentre et il fait ça. Après, tu Ah non, mais m'étonnes là que les pour. gens lui en Après, il veuillent. savait que ça allait faire full vue, je pense. C'est comme. Bah oui. Vous vous souvenez de la vidéo de la meuf là qui avait dansé sur une tombe, frère? Ouais. Ça aussi, mec, c'est.
C'est inadmissible. C'est inadmissible. Est-ce que tu dis les... Surtout que le pire, c'est que le nom de la personne qui était sur la tombe n'était même pas flouté. Ouais? On voyait bien le nom de la personne, de la dame qui était enterrée, Ah mais à là où elle a dansé, quoi. ces gens-là, ils ont quoi dans l'esprit? Est-ce que des vues, ça peut rattraper l'estime que t'as pour toi-même? Mais de toute façon, quand tu Bien fais ce sûr que genre de oui. choses, Mais tu il y a n'as des plus gens, d'estime. frère, ils en ont rien à foutre. Et c'est ça aussi le problème, Façon... c'est qu'ils savent... on n'a pas le droit pour interrogation. Non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. C'est justement ça le problème. C'est qu'il y a des mecs, ils sont appelés par l'argent, et ils savent qu'en faisant des vues, ils vont soit débloquer la monétisation, et ils savent qu'un TikTok qui va faire plusieurs millions de vues... Parce que, en fait, faut savoir que ça va pas juste rester sur son compte, ça va être relayé sur Twitter, donc sa vidéo Bah, de va toute tourner, façon, donc il c'est y a simple, encore hein, plus c'est de gens qui vont que venir, et c'est c'est tu trop vois, grave. pour rebondir sur ça, on dit que TikTok c'est cancer et tout, mais moi je préfère des meufs qui montrent leur cul Oui, que des bah mecs qui oui. dansent dans une église, tu Je... Oui, vois. oui, oui. Forcément, Bah, tout forcément, ça, on a tous nos principes. largement C'est ça ça le le truc, c'est truc, ça ils n'a font rien à mal à voir, personne, ça n'a sale rien à mec. voir. C'est ça, c'est Surtout le gars ça. dans sa vidéo, il dit je fais de mal à personne. Bah, t'as Comment, vu frère? bah, tous Tu fais mal à tout le monde, mais moi je suis sûr qu'il y a plein les de mecs qui milliers se de sont sentis blessés, hein. religieux. Mais Bien évidemment, surtout, tous en les fait, le croyants problème, qui c'est se que. sont sentis blessés dans ça. Mais même les personnes homosexuelles, ils doivent le renier, ils doivent dire, mais mec, t'es une honte pour tout le monde, en fait. Ouais, parce que déjà que Et honnêtement, comment, frère? honnêtement, la communauté LGBT n'est pas forcément bien. Ils font ce qu'ils veulent, bien évidemment. Là, ce n'est que mon point de vue personnel. Mais quand tu vois que des LGBT qui se pavanent dans les rues, habillés de façon à être une drama queen. Déjà, bon après c'est sûr que tu Bah, t'habilles comme en tu fait, veux, après, mais c'est de vrai qu'il y là a à faire plein des de... dramas parce qu'on te regarde de travers, c'est sûr, tu vois quelque chose qui n'est pas banal, c'est sûr Ouais, que tu je vas le vois, je regarder de vois. travers, tu vas te dire tiens c'est quoi ça? Mais c'est Bah, pas une en raison fait, pour après faire tout un drama. il y a plein de sujets comme ça où des fois, t'as des minorités C'est qui comme veulent... Après, ouais. c'est un sujet très sensible, hein. Faut faire gaffe à ce que tu dis, tu peux te glisser très vite. Mais des fois, Ouais, c'est pour justement, ça que j'en dis très peu. t'as des gens qui vont... Là, je vais parler d'aucune communauté et plus faire une généralité. T'as des gens qui vont venir demander des égalités. Mais quand tu vas Oui. écouter ce qu'ils disent, c'est pas tout ce qu'ils cherchent, ils veulent juste être Bah oui. supérieurs des fois. C'est ça, c'est Et clairement ça. oui. C'est comme la vidéo de Vald, je sais pas si tu l'avais Sur vu. le féminisme. Féminisme. Ouais. T'as, en Ah mais fait, ça Les va femmes partir veulent loin. du féminisme. D'accord, très bien. Mais par contre, on doit toujours être obligé d'être galant. Donc ça veut dire que les femmes veulent être au-dessus de nous au final. En fait, Alors le que le problème de féminisme, ça, normalement, c'est l'égalité. c'est que comme tout, comme dans les LGBT, les féministes, c'est en vrai, les LGBT ont tout à fait raison de demander l'égalité, les féministes Bien ont tout à évidemment. fait raison de Ah demander mais bien, l'égalité, et en vrai, on est tous bien un peu évidemment. féministes, mais t'as des Ouais, extrêmes dans tout. T'as des extrêmes dans mais en tout. fait, Et c'est le les problème, extrêmes le problème. les extrêmes, en fait, qu'on voit le plus. Oui, bah Genre, c'est par ça exemple, en fait. même C'est sur les les réseaux sociaux, extrêmes qui sont médiatisés. Zerk Bah, m'avait envoyé un regarde poste qui avait marqué. les gilets jaunes, ce qui était médiatisé, c'est quand même une voiture en feu. Ou alors le mec qui fait attention les jeunes, attention aux grenades. Ah non, lui, il est drôle. Lui, il est drôle. Lui il Lui, est c'est un drôle. même fou sur Warzone, Non, mais lui. regarde, Attention aux grenades, les Alan. jeunes. Parlons plus sérieux, Enzo il m'avait envoyé un truc sur Insta où il y Ouais. avait marqué soit t'es féministe ou soit t'es stupide. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, c'est ça je me rappelle. soit t'es féministe ou soit t'es un connard. Soit t'es complètement con. Mais c'est ça qui est Tu vois, chiant, c'est qu'en fait mais ils te et laissent le pas le pire c'est que choix. quand j'ai regardé ce poste-là parce que Et les commentaires ils disent je suis d'accord. et quand j'ai regardé ce poste-là, c'était une féministe mais je pense de l'extrême qui partageait ça. C'est simple, c'est que pour Bah c'est ça le problème, façon c'est il y a des maintenant extrêmes aujourd'hui partout et les extrêmes posent problème. les femmes des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est si les femmes ne sont pas pareilles que les hommes, c'est pas pareil. D'accord, mais nous on peut très bien faire exactement ce qu'une femme fait, on peut pas porter des gamins, c'est C'est comme sûr. juste prendre un exemple, je vais prendre l'exemple du foot, et après, ça fait déjà bientôt Ouais. 2 heures qu'on est en émission, du coup je demanderai à Déjà? Zerk, ouais, de raconter son anecdote sur Leclerc, et je pense qu'on Ouais. sera déjà à peu près vers la fin de l'émission, en plus Zerk a plus beaucoup de batterie, tout ça. Je vais juste prendre un Ouais, quand même. exemple sur l'égalité homme-femme, c'est Au foot, ouais. dans le foot au niveau des salaires. Le foot au Ça niveau des ouais, mais salaires, ça se voit. Hein. Même moi qui c'est-à-dire suis pas le que foot, c'est abusé. t'as Lionel Messi qui a 30 millions d'euros par année, d'euros, en brut, hein, donc sans taxes, tout ça, 30 millions d'années. Brut par an, et derrière, t'as une femme qui va gagner beaucoup moins. En sorte que t'as plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. C'est que, ok, ils font le même sport, ça, pas de souci. On peut parler de niveau, je vais pas rentrer sur ce sujet-là. Mais en fait, le foot masculin est déjà beaucoup plus médiatisé. La Ligue 1 avait été achetée pour 1 milliard d'euros les droits télé. Le foot féminin, il paye pas autant. Hein. Ça doit être quelques vingtaines de millions d'euros les droits télé. Juste ça, t'as déjà beaucoup plus d'argent qui tourne dans. Le foot masculin. Ensuite, t'as aussi l'argent qui tourne par rapport au transfert. C'est-à-dire que les clubs entre eux ne payent pas les mêmes prix. Et ça, on n'y peut rien. Ça, on peut pas agir là-dessus. C'est les clubs qui payent, par exemple, un transfert
de Lyon au Paris Saint-Germain, ils vont recruter l'une des meilleures joueuses pour 5 millions d'euros. Donc tu as 5 millions qui partent à Lyon pour réinjecter dans les salaires des femmes. Derrière, dans le foot masculin, parce que le mec est un outil marketing, qu'il est beaucoup plus dans le foot masculin, il va coûter 30 millions d'euros en France, par exemple de France en Allemagne. S'il vient d'Angleterre, il va en coûter 80. Il a le même niveau, juste marketingement, il a plus de contrats et il est beaucoup plus médiatisé. Donc juste ça, ou dans le foot féminin, un transfert va coûter 5 millions que le club pourra réinvestir dans le foot féminin. En France, un club anglais va acheter un mec 80 millions d'euros, juste parce que déjà il touche beaucoup plus, savoir qu'en première ligue, les droits télé, c'est plusieurs milliards d'euros. C'est pas que 1 milliard comme en France, d'ailleurs en France ça a baissé avec le Covid, mais c'est plusieurs milliards d'euros. Savoir que en France, un club qui est promu de Ligue 2 à Ligue 1 aura un budget d'environ 10 millions d'euros pour recruter des joueurs. Un club qui monte de deuxième division anglaise à la première ligue anglaise, il aura un budget grâce aux droits télé de 100 millions d'euros de base. Juste la Me différence. croirais sur FM là. Non mais juste pour mettre un peu de contexte sur ça. Du coup, Ah mais directement, tu as plus on d'argent qui est connaît pas bien le injecté, foot, nous. donc Ouais, mais après ça. les salaires qui sont plus hauts et l'outil marketing. Lionel Messi, il est chez Adidas. Par exemple, Neymar est chez Puma. Neymar est payé 30 millions d'euros par an par Puma pour porter des Pumas. Juste marketingement, en fait, c'est au niveau marketing que tout se joue parce que les femmes vont rapporter beaucoup moins d'argent aux marques. Et donc, par exemple, le Paris Saint-Germain, en recrutant Lionel Messi, va vendre tant de maillots. Je prends un exemple pour vulgariser le truc, va vendre 5 millions de maillots. Juste Lionel Messi, la section féminine sur l'année ne va pas vendre 5 millions d'euros. 5 millions de maillots, pardon, sur toutes les joueuses. Et c'est juste au niveau de ça, en fait, que c'est pas du tout par rapport au niveau, que c'est des femmes ou des hommes. Ça aurait été la division de nains, ça aurait été pareil. S'ils auraient moins rapporté d'argent, ils auraient été payés moins que la division qui sont pas nains, tu vois? C'est comme dans l'UFC par exemple, Zer qui va comprendre, dans l'UFC féminin, souvent les joueuses sont moins montrées quoi. Enfin les combattantes sont moins montrées. Alors qu'au final le combat féminin souvent c'est vénère. Hein. Ils font le même sport. En C'est fait, moi, ça? c'est ça que je trouve ça vraiment C'est juste le dommage, même si je ne marketing. Moi, si je suis, même si je ne suis pas très très foot, même carrément pas du tout foot, et je suis plus UFC comme Raph l'a dit, je trouve ça vraiment ignoble que ce soit que les joueurs masculins, donc les mecs, qui soient beaucoup plus médiatisés que les femmes, parce que quand tu regardes, quand j'ai vu hein, des matchs de foot féminin, C'est il y a vénère, des hein? mo y a des moments où ils sont beaucoup plus violentes pardon, entre elles. Alors que par exemple, on va voir un Neymar, il va se tordre la cheville, il va rester 15 minutes au banc. Alors qu'une meuf, elle se prend un coup de crampon dans le mollet, Neymar, oh là. elle se relève et elle continue quoi. C'est Déjà ça. ça, et Moi ensuite aussi, Neymar. je trouve ça vraiment Neymar a un corps dégueulasse. très fragile, très 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 fragile, c'est ça Je son trouve ça, problème. après voilà, personnellement, je trouve ça vraiment Ouais, dégueulasse mais que les non, il y a femmes un soient peu pas mises d'abus. Il y a un peu d'abus, mais dans le à la foot même masculin, avance. il y a de l'abus partout. Vraiment, en vrai, on vise Même Neymar, Neymar, il veut juste mais. rentrer pour jouer à CSGO. Il veut juste rentrer pour jouer à CSGO. On vise S'il vous plaît. Neymar, mais en Non mais vrai, n'importe quel joueur masculin oui. se Ah roule par oui. terre. Et des fois, Ah tu bien sais sûr. que c'est pour gagner du temps. Par exemple, il y avait un reportage. Les médecins qui rentrent, les médecins du club qui rentrent sur le terrain pour venir soigner le joueur. Et en gros, ils ont une strat, c'est-à-dire que le médecin va lui dire un mot pour qu'il reste plus longtemps au sol parce qu'il mène au score et qu'ils veulent gagner du temps. Il y a un reportage sur ça fait par RMC Sport. Il est super Et tu vois, intéressant. c'est pour ça que j'aime pas le foot. Et oui, bah le foot, c'est très strat, évidemment. Mais du coup, voilà sur ce sujet, je C'est veux pas. même pas strat stylé, c'est strat d'enfoiré. Oui, bah oui, bah, malheureusement, Après oui. voilà, Malheureusement, Dans oui, malheureusement, l'UFC, oui. Zerg, on connaît l'UFC. Souvent, il y a des petits strats quand même pour gagner du temps, Oui, pour bah gagner le oui, mec. forcément. Mais déjà, le sport, il est différent. Dans l'UFC, si le mec il se roule par terre, c'est qu'il y a une très bonne raison. Si tu prends une patate de Ngannou, c'est même plus tu te roules par terre, c'est tu t'envoles. Oui, tu t'enfonces dans le ring en fait. Et ensuite, les mecs, déjà, ils sont préparés. Et Oui. pourtant, dans l'UFC, ils gagnent beaucoup moins que le foot quand même. Ils Ah, ils gagnent gagnent bien leur vie. énormément, ils gagnent bien leur vie, on peut le voir avec McGregor par exemple. Mais beaucoup moins. Mais beaucoup moins. Et puis quand tu regardes, après je sais qu'Alan, toi t'es énormément foot là-dessus, et je Bah, sais en que fait, rien ne moi, te fera changer je d'avis suis le là-dessus. sport en gros, enfin le sport football, mais en fait, je m'intéresse surtout énormément à l'économie du foot, c'est tellement Ouais. intéressant. Mais oui. Et en fait, bah, parce que par exemple, dans l'UFC, c'est que t'as pas d'équipe. T'as aucune Ouais, équipe, tu vois. je Bah, vois. t'as le combattant, son médecin, son coach, et c'est basta. Il rentre dans le ring tout seul. Ah Et ouais, voilà, c'est ça, ouais. alors que quand tu regardes par exemple au foot, je dis une bêtise, mais le mec il va tomber, il va faire perdre 15 minutes à tout le monde.
J'avais vu une vidéo sur YouTube d'un match du UFC. Il y a le mec, pour que le match s'arrête, donc le match il s'est complètement arrêté, c'est qu'en fait, c'est simple, c'est que sa jambe, elle a cassé net. Le mec, il a voulu donner un coup de pied, et en fait, sa jambe d'appui, elle a cassé. Et en fait, J'ai pas vu sur la ça, c'est vidéo, rigolo. on voit la jambe, donc c'est droit une jambe, Ouais, quoi, c'est quand tu... plié c'est en comme haut. ça, quoi. Et normalement, en fait, au lieu que la jambe plie dans le bon sens, bah, en fait, la jambe, elle a fait... Et en fait, on C'est voit au ça. ralenti sa jambe devenir... un arc de cercle. Et c'est pour ça que le match a été Après, arrêté, ça, mais sinon... c'est les différents sports, tu vois. Mais je Bah trouve le voilà. foot, c'est Le trop foot parti en féminin zbeul. est énormément moins mis en C'est avant que le foot masculin, c'est vraiment dommage. Ouais, Et c'est clair. c'est C'est comme vraiment tu vois, dommage, par quoi. exemple, quand il y a Paris-Marseille. À chaque fois, ça part en sang, des insultes, des trucs, les mecs ils mettent tout en feu. Ouais. C'est juste un vieux sport, les gars, c'est claqué. C'est juste un mec qui court après un ballon et il marque. C'est Après, nul, tu PSG-OM, vois. t'as la rivalité historique. Enfin, faut savoir que Voilà. Non, Lyon-Saint-Etienne, mais c'est pareil. Mais une rivalité, Lyon-Saint-Etienne, c'est c'est pareil. du tout. Monaco-Nice, c'est pareil. En Ouais, mais c'est Angleterre, un les deux volcan. Ouais, Manchester, c'est pareil. Real-Barça, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est. mais C'est des c'est de la rivalités qui merde. datent de longue C'est date. Ah nul. oui, non, Je mais dis pas que après, c'est on... bien de se après. battre dans les tribunes, mais c'est une culture qui est là depuis des années et des années. On Tu était vois, c'est pas de maintenant, quoi. C'était on même pas pire là. avant. C'était même pire avant. C'était même Ah bah pire oui. avant que maintenant. Ah mais tu vois, ça rentre Aujourd'hui, tellement t'en as un, ridicule. il se prend un coup de bouteille d'eau dans la gueule, c'est bon, ça fait polémique. Alors qu'avant, c'était pas un coup de bouteille d'eau, c'était un coup de bouteille de bière. C'est Hein. ça, mais avant, les mecs venaient se battre sur le terrain. Enfin, c'est en vrai, c'est C'est beaucoup mieux comme. maintenant sur les rivalités sur ce point-là. Je sais pas si t'en parleras aujourd'hui, de l'histoire qu'il y avait eu avec. Comment il s'appelait? Zouane, je sais pas quoi, le joueur de foot là. Qui a torturé son chat. Ah, Kurt Zuma. On pourra Ouais. en parler la prochaine fois, ouais. Prochaine fois peut-être, ouais. Parce que c'est violent quand même, le mec, En il a vrai, torturé le son chat comme foot, ça. tu peux en parler autant que tu veux. Moi, je trouve c'est un sport. T'as plus d'honneur maintenant. Bah, moi je regarde pas, après voilà, c'est un sport quand même, Moi, comme je un trouve autre. qu'il n'y a plus trop d'honneur comparé à d'autres sports. Mais après, on parle de l'UFC, mais l'UFC, ça arrive à peine en France avec Cyril Gane. Oui, et Bon, les encore, gens, après. pour pouvoir Ouais, regarder, encore. je dis entre parenthèses, légalement, faut payer 25 euros par mois. Ce qui est un Après, peu tu vois, cher, ce qui est un ça peu cher arrive payé vite quand fait en même, parce France. que Ça arrive c'est un vite fait scale. en France car on a eu un champion. Bon. Ouais. Et Encore, on en a eu ensuite. deux. On en a eu deux parce que Ngannou, il est d'origine du Cameroun, mais il s'est Ouais, il était entraîné beaucoup plus français, qu'en quoi. France. C'était un peu le match, on va dire que. Et maintenant, même Cyril Gane, il Historique, essaie de historique pour parler la France. d'ouvrir de l'UFC en France. Bon, les Donc, gars, ça lui ouais. le sujet est super intéressant, mais on est déjà à 1h50 d'émission et je veux que Zerk puisse raconter son anecdote. Du coup, on reprendra ce sujet la prochaine fois. Spider Game aussi, on en parlera la prochaine fois, du coup, on n'a pas eu le temps d'en parler. On en parlera la prochaine fois, on parlera de Kurt Zuma aussi. Zerk, trop bien dit le sujet. Du coup, Zerk, attends, Ouais. regarde. Paf, je passe ta cam comme ça. Et on t'écoute. Alors, attends. On attend Alors, ton que je anecdote regarde. Ah oui, sur d'accord. le Je dois Leclerc, regarder justement. sur ta rediff. On écoute, soyez tous très bien concentrés parce que il a quand même failli perdre des thunes, hein. J'ai perdu, mais ça va. En fait, c'est simple, c'est que c'était, je me rappelle encore de la date, le 3 janvier de cette année. Donc, je dis avec mon père, viens, on va aller se balader, on va aller faire les magasins un peu et tout ça. Et mon père, il me dit, vas-y, donc on fait à peu près, bon, c'était pas loin, c'était 20 km, mais avec une voiture essence, 20 km, c'est énorme. Du coup, on espérait ne pas avoir à y retourner tous les jours. Et là, je me balade dans le Leclerc, et il y avait le rayon multimédia. Donc, je regarde le rayon multimédia et tout, parce que je voulais changer de PC. Et là, je tombe sur un PC, je pourrais plus dire la marque, je crois que c'était un Asus, c'était un bête d'Asus. Je regarde les caractéristiques, bien évidemment. Je regardais que c'était à peu près la même configuration que la mienne actuelle, mais sauf qu'il y avait du stockage en plus. Donc là-dessus, j'étais content parce que moi, j'ai vraiment pas de stockage. Et du coup, il me fallait un écran aussi. Du coup, je regarde et je vois un IAMA, je crois. Je sais pas si tu me diras le nom, Alan. C'était un IAMA, je crois. Ouais, c'est quelque Un truc chose comme comme ça. ça, hein. J'ai du mal à prononcer cette marque-là. Et c'était un truc pas mal, un petit peu incurvé. Un petit peu incurvé, tout, 144 Hz. Donc pour le PC, on était à 800. 800 ou 750 euros, un truc comme ça. Sachant que c'est un PC Après, fixe, pour donc tu peux plus tard ouais. le modifier à l'intérieur. L'upgrade Ouais, après, voilà, l'upgrade, bien ouais. évidemment. Ouais, voilà, j'ai oublié de préciser, c'était un PC fixe. L'écran était à 150 balles. Et en même temps, je me suis dit, je vais faire plaisir à mon père, je vais lui acheter un nouveau fauteuil. Pas un fauteuil de vieux, attention, faut pas se méprendre là-dessus. Et du coup, je lui montre des fauteuils et tout, il me dit, bah, celui-là, il est sympa et tout, pour jouer, il est sympa. Donc du coup, je lui dis, bah vas-y, parce que si c'est moi qui paye. Et on passe à la caisse, du coup, avec le mec, j'ai donné mon nom, mon prénom, etc. Et le mec, il m'a dit, je vais vous amener tout ça à la caisse, vous pouvez payer, et la chaise, faudra le récupérer en... La chaise était à récupérer en... Comment ça s'appelle?
en livraison, pas en relais. livraison, mais Point le relais. clair drive, en drive, Ah, voilà, en ouais, drive. tu la prends et tu récupères. Et c'est ça, c'est que je l'achète et après il fallait la récupérer. Et du coup, Ouais, j'attends. au dépôt, c'est ça, non? Ouais, c'était en dépôt, fallait la Ok. récupérer. Et du coup, déjà, du coup, je me mets dans la file d'attente. Mon père, il m'attend à l'extérieur. Parce que quand tu as un PC qui fait à peu près cette taille, bah, la boîte fait à peu près cette taille, on voit pas beaucoup comme ça, cette taille-là, plus un écran qui fait à peu près cette taille-là à la main, c'est un peu lourd. Donc mon père, il va chercher un caddie, il revient par l'entrée où on est passé, la dame lui dit non, non, pas de caddie ici. Donc il doit refaire tout le tour du magasin. Le magasin qui est pas petit parce que c'est en fait c'est une espèce de centre commercial. Donc le magasin il est pas petit. Et du coup moi j'ai toujours dans la file d'attente à mon tour. Et le mec il me dit je vais te chercher le PC, du coup il le met. Et il me dit comme quoi c'est un modèle d'expo. Parce que je lui dis vas-y, tu me le mets, tant pis. C'est un PC d'expo, mais tant pis, tu me le mets quand même. Du coup il l'a remballé et tout ça. Et au moment de payer, euros, 1027 euros, quelque chose comme ça. Et je mets ma carte, parce que je savais que j'avais les moyens. Je mets ma carte dans le lecteur des cartes. Je fais mon code. Et là, je vois quoi? Paiement refusé. Déjà, je fais, tiens, c'est bizarre, parce que j'ai les Tiens, moyens. J'ai les moyens. Je vais pas vous montrer mon compte, mais j'ai les moyens. Et bizarre, la dame me dit, vous voulez qu'on réessaye? Bah oui. Du coup, je recommence. Paiement refusé. Et il y avait la file d'attente qui était, elle, en train de se reformer derrière. Et mon père, il commençait à perdre patience aussi. Parce qu'il a dû faire tout le tour du magasin. Je le m'étonne. comprenais. Et du coup, là, la dame me dit, bah, peut-être, est-ce qu'on divise pas la facture? Donc, par exemple, vous payez ça, ça, ça et ça, mais à des montants différents pour que ça puisse faire toute la facture, mais différemment. Du coup, je lui dis, ok, je commence à 700 euros, je mets ma carte, ça passe pas. Et ainsi de suite, et on est arrivé jusqu'à 300 euros, 300 euros, ça passe pas. Et là, elle me redit, bah, je peux au moins mettre 228 euros et 99 centimes, attention, c'est précis. Je dis, bah, vas-y, on fait ça. Du coup, c'était l'écran et la chaise. Du coup, là je mets ma carte acceptée. Putain. Et le problème, c'est que du coup, comme je pouvais pas payer en fait toute la facture, et ben elle a fait un abandon de débit, donc elle a annulé le paiement. Du coup, je suis reparti du Leclerc sans rien. Parce que du coup, j'ai abandonné le paiement, du coup, bah normalement, tout se passe bien. Parce qu'en fait, mon père m'a dit, t'as peut-être dépassé ton plafond. Donc je regarde mon compte, effectivement, 1400 euros d'utilisé, il me reste sur un plafond de 1500. Je fais ah, génial. Du coup, les 228 sont passés de justesse. Du coup, elle a annulé. Et 5 jours plus tard, non, pas 5 jours, le 5 janvier, je regarde mon compte et je vois quoi? Moins 228 euros et 99 centimes. Tiens, Je fais tiens, tiens, tiens. c'est bizarre, ça me rappelle une certaine facture. Surtout que la dame a bien dit, attention, j'ai fait un abandon, j'ai fait un abandon de paiement. Donc normalement, j'ai même le ticket avec marqué abandon de débit dessus. Et tiens, je dis à mon père, tiens, c'est bizarre, 228 euros en moins, pourtant j'ai pas le matos, j'ai pas la chaise, j'ai rien, bizarre. On essaye de contacter le Leclerc, on tombe sur une dame de l'accueil, on leur demande le rayon multimédia. Le rayon multimédia nous dit comme quoi le responsable multimédia n'est pas là. On rappelle un autre jour, et ainsi de suite en fait. On a rappelé, je dirais, au moins 2 fois par semaine, on rappelait. Une fois le mardi et une fois le vendredi. On essayait ça sur, bah c'est simple, sur presque tout le mois de janvier, on a essayé de faire ça. Et fin janvier, j'en avais marre de que ce soit moi qui j'appelle. Du coup, j'ai dit à mon père, vas-y, t'appelles. Il a appelé, il est tombé sur le mec. Il lui a mis un sale coup de pression quand même. Hein, je vais pas vous mentir, il a mis un sale coup de pression quand même. Il a dit le fameux mot que personne n'aime, alias le litige financier. C'est le mot qui fait peur à tout le monde, ça. Et du coup, on envoie relevé de compte, les tickets d'abandon, etc., etc. Plus rien. Le mec, il envoie, en plus, le responsable, c'est le responsable du coup du rayon multimédia. Donc c'est quand même un rayon assez important vu que c'est un responsable. Il envoie des mails à mon père, en fait, avec des émoticônes, comme à l'époque, quand les émojis n'existaient pas, tu sais, c'était des émoticônes, genre les 2 petits points et la parenthèse. Ouais. Le mec, il répondait à mon père comme ça. C'était un responsable. Et Putain. mon père il se dit mais il se fout de ma gueule ce blaireau ou quoi et tout, je fais Ça a bah l'air. peut-être pas, je sais pas, déjà il a pas un nom français donc ça m'étonnerait pas, etc. Et du coup bah on attend, le mec nous renvoie un mail pour nous dire comme quoi il l'a transmis au responsable financier cette fois,
On re-attend encore quelques jours. Une semaine passe. Et là, mercredi dernier, si je dis pas de bêtises, on avait renvoyé un mail comme quoi c'était en fait bah bon. Et quelques jours plus tard, je regarde mon compte. Effectivement, j'avais bel et bien les 228,99 € qui sont revenus. Mais j'ai quand même dû forcer un mois et demi, pour que juste une erreur de leur part soit réparée. C'est terrible. Hein. Mais C'est vraiment surtout que la aberrant. meuf, t'as fait un abandon de débit, donc normalement jamais ça Bah aurait dû oui, débiter, ah quoi. oui. Normalement, ça aurait jamais dû être débité. Ça a été débité. Et je te jure que déjà, juste pour joindre le responsable, c'est presque aussi compliqué que de jouer à Tarkov. Je te jure. Ah non, vraiment, c'était vraiment incroyable. Je commençais vraiment à en avoir marre. En plus, je commençais à péter un câble. Mais du coup, voilà, j'ai récupéré mon argent. Tant mieux. Mais du coup, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas d'écran. Parce qu'en fait, t'avais payé, mais tout était resté là-bas, du coup, mais ton argent aussi était resté là-bas, du coup, vraiment. Mon argent était resté là-bas, et sauf comment je suis reparti vraiment, Là, genre, bah, à poil, en tout était fait. Je suis resté reparti à là-bas, poil. quoi. C'est ça. Et pourtant, j'étais un bon client, hein. J'avais dévalisé leur rayon et tout. Hein. J'étais C'est pas un là-bas moulant client, un où t'as client. acheté une Switch aussi, non? Si? Ah bah ouais, Si, voilà, si, si, si. tiens. Ils ont fait, oh, c'est Yankee, lui, il va pas voir si on le prend 300 Bah, si, balles. si, si. Ah, si, 347 € de Switch, j'ai senti passer aussi celle-là. Surtout que c'était quoi, même pas un mois après. Parce que du coup, tu étais à deux doigts d'acheter un nouveau PC. Et finalement, là, tu es toujours avec le PC portable. Là, comment Ouais. on. Ah, oh, putain, la caméra elle a Ah, bugué, la attendez. cam. Hop là, Ah, la ça cam elle bug. a bugué. Ah, c'est les 10% de batterie qui sont affichés, ça Aïe, fait aïe, très aïe, mal. aïe. Et bah, ça tombe bien parce qu'on arrive à 2 heures d'émission quand même. Enfin, je sais pas Ouais. comment vous l'avez vu passer. Moi, je trouve ça Perso, c'est c'était très rapidement, rapide. en vrai. C'était Très vraiment rapide. rapide. C'est franchement très plaisant. Mais moi, Franchement, Alan, j'ai envie de c'était t'entendre rapide. raconter une histoire en fait. Moi, je suis bien dans ce mood. Raconte. Ah, attends que je réfléchisse un Ah, peu. mais là, on est quand même voilà, à deux Deux heures heures. Moi, d'émission, je Zerk vais bientôt à. disparaître. Mais je trouve que c'est Après, bien si que je ne raconte pas. On a du contenu pour la prochaine émission. Ouais, c'est vrai. Faudra voir comment on la place. Moi, dans l'idéal, j'aurais aimé en avoir au moins une par mois. Parce qu'après, une par semaine, ça va être chaud avec les cours et tout. Mais. Ouais. Une par mois. Moi, je veux bien, là, pour la prochaine émission, on se raconte des idées, mais. Enfin, des histoires, mais assez rapides, tu vois. Ouais, après, Des voilà. Ouais, histoires c'est vrai que rapides. celle-là, c'était une histoire assez longue, parce que c'était sur Mais tu sais que moi j'ai des du long histoires terme. super rapides, hein. Moi je peux débiter des trucs de fou. Ah, moi aujourd'hui Mais c'était moi aussi, intéressant. j'ai. On a Au parlé du final, monde du jeu vidéo. On a j'ai l'histoire de quelques Zerk. histoires. Un peu d'actu. Les réseaux sociaux. Les dérives. Non, c'était intéressant en vrai. C'était pas mal. Non, franchement, c'était intéressant. J'ai bien aimé. Merci de l'invite, en tout cas, de Bah nous mec, avoir proposé ce concept. c'est C'est pas une incroyable. invite. Vous êtes des titulaires. Oui, non, mais c'est Parce que incroyable que faut tu nous aies savoir que, proposé ce concept, c'est ça que je veux juste, dire. d'où me vient l'idée. Parce que en fait, on était juste en train de jouer tranquillement. Raph, je sais plus ce qu'il faisait. Zerk, je sais plus ce qu'ils ont plus, mais il nous racontait une histoire. Je te Il faisais une faisait une miniature. miniature. Il faisait une miniature. Et D'ailleurs, j'attends justement, le paiement. il nous racontait une histoire. Et j'étais là comme ça pendant que je jouais. Et après, Zerk part manger. Et on est là avec Raph en vocal. Et je lui fais. Attends, mais Mel, pourquoi tu me dis j'ai très mal au ventre, je te passe les détails, on ne veut pas. Tu veux venir raconter? Non. Et on Non, était. moi j'ai commencé à t'écrire. Zer qui Ouais, nous a raconté une histoire. oui, c'est vrai. Et après, on a kiffé l'histoire et on s'est dit pourquoi pas créer une émission qui tourne autour d'on se raconte des histoires, tu vois, d'amour, d'horreur, folklorique, tu vois, des trucs un peu comme ça. Bah, nos histoires personnelles qu'on a vécues. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Et souvent, Et parce en qu'en fait, gros, on ça discute sur des ressemble à ça. sujets. Et on parle pendant une demi-heure, 40 minutes dessus. On se dit, putain, mais ça, si on aurait eu une trace, c'est vachement intéressant. Et parce que là, regarde, finalement, on a eu peu d'anecdotes ou d'histoires. Il y a celle de Zerk. Mais derrière, on a pu parler de plein de trucs pendant 2 heures. Ça passe assez vite, en vrai. Donc C'est voilà, vrai que c'est vraiment c'est. passé vite. Oh, raconte pas les détails, mais on veut pas savoir. Hein. On veut pas Non, non, savoir. non. T'as de la On veut chance pas que je sois que savoir. VIP. Les deux seuls VIP de la chaîne. Hein. Bien Sur 30 sûr. possibles, les deux seuls. J'avoue. Bien sûr. C'est beau! C'est beau, et on est Bien bientôt sûr. affilié d'ailleurs. C'est On est vrai. bientôt affilié. C'est vrai que en plus t'as bientôt débloqué les subs là, parce que Bah là oui, bientôt affilié, bientôt ça commence affilié. à monter pas mal, hein, je trouve. Bah sur les stats là, sur les 2 semaines de vacances, on est à peu près à 50 heures de stream. Ça va, quand même. ce qui est assez monstrueux. Et Et beaucoup, ouais. on a quand même gagné, on est passé de 28 followers à la 57. Alors Spider Game, Mel, on en parlera la prochaine fois, parce qu'on arrive à 2 heures d'émission, faut pas que ça soit trop long non plus en vrai. Et puis Zerk a bientôt plus de batterie, après il y a des gens qui vont partir manger, tu vois.
Donc voilà, bah, c'était un vrai plaisir, les gars, de vous avoir en tant que Bah, titulaire. également, également, Un écoute. plaisir d'être reçu. Et puis, Évidemment. ouais, Incroyable. moi, je préparerai des histoires pour la prochaine émission. Bah, même moi, hein, j'ai Je quelques vous petites promets histoires. Du des coup, si on peut trucs parler un assez peu plus des salaces. petites histoires. C'est vraiment des histoires très courtes, relativement courtes, c'est assez drôle. Moi, j'ai des bonnes histoires. Par exemple, si je peux juste donner Ah, là. trois mots-clés sur une histoire vraiment très drôle et très Oui, courte. trois mots-clés À comme ça, part trois mots-clés, vas-y. voiture, deux, coupé. Voilà, Vas-y, moi, si tu trois veux, mots-clés. je peux te Voilà. dire trois mots-clés là d'une petite histoire là. Ouais. Garrot, canne à pêche, océan. Ah oui, ah celle-là j'avoue qu'elle me tente, parce que t'as voulu me la raconter, je t'ai dit non, non, me raconte pas. Bah Et après, si tu au... veux, elle est super rapide, hein. Si tu veux, je peux te la raconter même maintenant. Tu veux la faire Elle est maintenant? super fast. Tu la fais Elle, 3 maintenant minutes, elle a pour fait. clore le stream? Vas-y. Vas-y, t'es en clôture d'émission. Ok les gars. Attends, je mets ta Donc je cam vous au explique. grand. Fais-nous un C'est clutch. bon, t'es en clôture d'émission. Ça va être très rapide. J'étais tranquillement parti pour aller pêcher avec un pote à WAM. Donc on y va, tranquille. Tout se passe bien pour l'instant. Un peu de vent, mais c'est tranquille. Déjà, vous allez me dire, c'est bizarre, tu vois. Je Déjà, sors toi qui la fais de la canne. pêche, ouais. Ouais, moi qui fais de la pêche, tu vois. En plus, je crois qu'on était en sortie de soirée. Enfin, il devait être 11 h. On était un peu alcoolisés, donc je me voyais déjà partir avec beaucoup de poissons, tu vois. Je lance ma canne, tranquille. Et pendant qu'il y a la canne, je la pose, je me roule une petite clope. Tranquille, normal. Je fume tranquille. Tête de homme. La clope, elle s'envole. C'est-à-dire, elle est au bout de mon bec, elle fait... Elle part dans l'océan. Je la vois, j'ai le seum. Je regarde mon pote, il rigole. Et moi, actuellement, j'avais envie de pleurer. Je me roule une autre clope. Donc, le temps passe, tu vois, quand même. Et après un moment, je dis, bon, bah, je vais remonter ma canne. Parce que, je sais pas, tout bon ça. Je remonte la canne. Et la tête de homme, j'ai remonté la garrot. Ça veut dire qu'au bout... Et si c'est possible que je retrouve un snap, parce que j'avais pris un snap, Le au mec est bout, trop il y fort. avait ma garrot. Bah, au pire, c'est quoi? Si tu retrouves le snap, je le tweeterai. Je le mettrai sur Vas-y, le compte je suis Twitter. chaud. Et comme ça, J'ai une vidéo on de moi qui tweetera. retrouve la garrot. C'est comme dire qu'on avait lancé la garrot dans le coin et que Mais comme par je me hasard, rappelle. Ouais, et ça, bah là, c'était magique. j'ai C'était magique. retrouvé la garrot. Bon, et Ça m'avait alors, tué voilà de rire. pour la clôture d'émission. T'as fait la clôture d'émission, quand même, la dernière histoire. Hein. C'est C'est quand même let's incroyable. go. Bon, tous Félicitations à ceux qui tous. sont passés sur le stream, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Notamment Également. Voyageur Twitch, qui a Merci pas mal Twitch. participé avec nous, en vrai, c'était intéressant. C'est clair. Donc, Ouais, tous ouais. ceux qui sont passés, ceux qui sont encore là, merci à vous, le nouveau On follower vous souhaite une Voyageur bonne Twitch, soirée. évidemment. On va tenter de faire un best-of qu'on mettra sur YouTube avec les meilleurs moments, même si en vrai, il y a beaucoup de meilleurs moments aujourd'hui. Donc, Ouais. voilà sur ça. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée. On se retrouve très rapidement en Très stream. bonne soirée à tous. Certainement demain, je fais mon auto-promo. Demain, il y a Horizon qui sort. Je le reçois demain. On devrait être en stream dessus. Donc voilà. Allez, bonne fin de Let's go. soirée à On sera tous. dans le...